Coucou, 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 coucou. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine a très bien débuté. J'espère que vous allez super, hyper bien. Moi, je me porte très, très bien. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour. Alors, bon mardi à tous. Bon mardi à toutes. Vous savez, c'est la semaine sainte, hein? Voilà, donc comme c'est la semaine sainte, pour ceux qui n'ont pas fait le, comment on appelle, le carême, pouvez-vous rattraper, hein? Voilà, c'est la semaine sainte. Il n'y a pas un protocole pour certaines personnes, voilà. Ne vous exigez pas trop, 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 trop de choses. Faites comme vous pouvez, il n'y a pas, voilà quoi. Bonjour, 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 j'avais, voilà, je voulais vraiment faire ce petit direct. Normalement, c'était à 16h, donc. Voilà, vous savez que le, ça fait un genre. Donc, partagez le petit direct ici, s'il vous plaît. Je sais que vous n'aimez pas souvent les sujets comme ça. Vous aimez les sujets où on parle de tout ce qui se passe en bas de la ceinture. Vous aimez les sujets de commérage. Vous aimez les sujets de Congo-Sao, où on se mêle de la vie privée des gens. Je sais que vous aimez les sujets à problème, quoi. Les sujets qui ne vous apportent rien dans vos vies. C'est le style de sujet là que vous aimez. Mais vous, je sais que vous avez aussi les enfants, non? Voilà. Quand vous avez les enfants, pensez aussi à vos enfants. Parce que vous ne voulez pas faire que tout le temps, vous voulez seulement faire le commérage. Le Congo, ça, nous n'allons pas laisser comme héritage à nos enfants le commérage, le Congo, ça, comment se mêler de la vie privée des gens, comment se mêler des vies des gens, comment faire ci, faire ça. Vous voyez un peu, non? Donc, partagez le direct si je vous connais. Parce que les thèmes comme ça, vous n'aimez pas, Aka, elle va nous dire quoi. Après, les gens vont se connecter, Aka, elle va même nous raconter quoi. Qu'il y a une influenceuse qu'on a arrêtée là-bas, ça ne nous intéresse pas. Vous aimez le genre, quand les... parce que. Vous voyez, les influenceuses viennent vendre le rêve aujourd'hui. C'est parce que les gens achètent. Oui, c'est parce qu'on achète. Ou vous allez entendre là-bas que Suze a faim. Vraiment, là, elle a fait une semaine sans manger. Elle n'arrive même pas à nourrir ses enfants. Si quelqu'un allume en direct comme ça, vous allez voir 10 000 personnes connectées et écouter que, hey, dont la fille a faim. Comment on voit souvent la fille là comme ça? Là, elle vient s'asseoir avec le rouge à lèvres. Dont elle a faim. Pourquoi vous aimez les choses comme ça? Quand il faut vraiment sensibiliser, les gens sont où? Tout le monde fuit. C'est pour cela que nous avons au jour d'aujourd'hui les croqueuses de diamants. On ne sait pas d'où elle est née. Elle n'est pas née. Elle sort d'où? Elle vit où? Elle était où? Il y a de cela un an, elle était où? Est-ce qu'il faut comprendre? Une personne va se lever le matin, bing, je suis milliardaire. On va seulement courir. Donc, il partage l'argent. Tu vois, d'autres qui viennent te parler. Oh, elle partage l'argent. Toi, tu as donné quoi? Quand je vais faire les dons à l'orphelinat, je ne fais pas la pub. Quand je vais faire, je ne fais pas la pub. Je donne même aux gens qu'ils ne connaissent pas, ne fais pas la pub. Parce qu'il y a des gens qui sont nés pour ne pas faire la pub. Il y a des gens, chacun fait de sa vie ce qu'il veut. Nous avons grandi avec nos grands-parents qui nous ont éduqués, qui nous ont dit que il ne faut pas faire trop de bruit. Même si tu manges déjà 3 fois par jour, ne fais pas trop de bruit. Même si tu peux déjà boire un verre d'eau, de l'eau fraîche, ne fais pas trop de bruit. Même si tu te laves, que tu as l'eau chez toi et que le voisin en a coupé l'eau chez lui. Ne te balade pas en te disant que oh, je me suis lavé, oh, je me suis lavé. Ce n'est pas parce que tu fais les enfants que tu es en face de toi, ta voisine n'accouche pas, ta soeur n'accouche pas, ton frère n'accouche pas, que les gens ne vont pas respirer au quartier. Vraiment, je viens d'accoucher. Vraiment, j'ai accouché. Vraiment, je suis enceinte. Vraiment, j'ai porté la grossesse hier. Vraiment, ceci. Tout ce qu'on nous disait à l'époque de nos parents. Tout ce que nos parents nous ont inculqué, qu'une femme enceinte doit être posée. Une femme enceinte ne doit pas se balader n'importe comment. Une femme enceinte ne doit pas faire la pub de nos jours. C'est la pub. Le jour même qu'elle tombe enceinte, c'est là où la pub commence. Je n'arrive pas à dormir. Je sais que comme j'ai un retard, j'ai fait avant-hier. Vraiment, je suis enceinte. Le père de l'enfant, vraiment, c'est un pétrolier. Vraiment, on ne respire plus de nos jours. Qui vous a éduqué? Vous avez grandi où? C'est pour ça que vous ne m'aimez pas. Vous ne pouvez pas aimer mes lives. Est-ce que je vous vends le rêve? Je ne vous vends pas le rêve. Quand elle va vous dire, oh, pour que je puisse manger ou boire un verre d'eau, il faut vendre mes produits cosmétiques. Pour que je puisse manger ou boire un verre d'eau, il faut vendre mes vêtements. Tous les jours, moi, je suis devenue mannequin. Pudique que je suis. Je suis devenue mannequin, je suis obligée. Ah, parce que qui va devenir mannequin? Si j'étais au Cameroun, je pouvais prendre 2 petites filles de 20 ans et dire que, ah, les filles, vous êtes encore cancan. Venez porter les vêtements ici. Mais ici, là, qui va devenir, pour prendre un mannequin, il va te dire 5 000 euros le mois. Toi, tu as ça. Pour lui donner 5 000 euros. Donc, toi-même, tu es obligé de faire certains trucs. Vous comprenez un peu? Donc, au jour d'aujourd'hui, vous vous exposez trop parce que vous voulez qu'on vous vende le rêve parce que vous aimez le rêve. Vous avez vu le live de la... Qu'est-ce que vous avez retenu dans le live de la croqueuse de diamants? Elle est ni anglophone, elle est ni francophone.
Elle a commencé où? Est-ce que quelqu'un peut vraiment me dire ce que la personne a retenu? Elle a commencé où? C'est quoi ses débuts? Elle était où il y a de cela 3 ans? Elle vendait où? Quelqu'un qui vous dit, je ne pense pas, si je ne sais pas si vous avez la jugeote. Hein. Ce n'est pas le life de la croqueuse de diamant. C'est, moi, je l'aime dans un autre sens. Je ne l'aime pas dans le sens que tout le monde la déteste. Moi, je suis un peu comme ça. Je l'aime dans un autre sens. C'est-à-dire que quand on entre même en profondeur, elle sort d'où? Elle est qui? Elle a commencé comment? C'est quoi son histoire? Mais tu vas voir 10 000 personnes connectées, 15 000 connectées, regardées, une où on ne sait pas d'où elle sort, à sauver. C'est quoi son CV? Zéro traçabilité, papa. Est-ce que nous, on comprend ça? Jacques, laisse-nous ça. Elle, au moins, sait partager l'argent. Mais parce qu'elle a l'argent à partager. Même Dangote, qui a l'argent au Cameroun, ne partage pas l'argent. Même Foucault ne partage pas l'argent. Foucault même qui distribue les cordes pour la pendaison ne partage pas l'argent. Et toi même, je n'ai jamais vu Eto faire autant de bruit pour partager l'argent. Un de Mwanga, 22 ans, elle a commencé le travail à quelle heure pour être milliardaire? On ne va pas parce que millionnaire, c'est que tu n'as pas l'argent. Pour être milliardaire à 22 ans, son père c'est qui? Son mère c'est qui? C'est qui ses parents? J'ai les boutiques partout dans le monde entier, bon, disons en Afrique. Et tu dis que c'est ta première fois de prendre l'avion. Tu construis tes boutiques là comment? En l'air, au soleil? Comment? Ma voix est partie parce que je négocie la marchandise. De quelle marchandise tu parles? Dites-nous un peu. Et c'est le direct comme ça qui marche. Parce que quand tu vas faire l'éveil de conscience, te guet. On vient même te combattre jusqu'à dans la nuit, on te poursuit, pourchasse avec les flèches. On se dit que celle-ci dit même quoi. Celle-ci raconte même quoi. Elle vient raconter même les conneries aux gens. Elle est là, elle parle, elle croit qu'elle est quoi. Voilà l'autre qui m'était jalouse va mourir. Je n'ai pas faim. Quand tu sauras vraiment, demande à mon entourage. Moi, je ne croque pas le diamant, mais je n'ai pas faim. Je n'ai même pas un peu faim. Il faut connaître les gens. Je ne suis pas sur les réseaux pour bluffer les gens. Je ne suis pas là pour bluffer. Je suis là pour l'éveil de conscience. Je suis là pour éduquer, pour ouvrir les yeux. Je ne suis pas là pour te bluffer. Ne serait-ce que mon temps, quand tu regardes mon temps, tu comprends que je n'ai pas faim. Tu comprends un peu. Même assise en cycliste comme je suis assise là, on m'évalue. Je suis sûre que c'est ton repas en moins de 10 ans qu'on va prendre sur moi, où je suis assise là. Donc comprends que, ayez, comme vous n'avez donc pas le discernement, quand vous ne connaissez pas qui est qui. Depuis quand vos parents vous ont éduqué que si tu manges déjà 3 fois par jour, tu dois dire à tout le monde que tu manges 3 fois par jour. Moi, je croque le pistache, ça se voit. Que tu croques le pistache, partagez-moi le direct si. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous avons des filles qui bluffent. Parce qu'il y a des jeunes qui aiment voir les filles qui bluffent. On va te bluffer. On bluffe que les rêveurs. Si tu ne dors pas au premier banc, on ne peut pas te bluffer. Si tu n'es pas un rêveur, on ne te fait pas rêver. Tout ce qui peut te faire rêver, c'est de retrousser tes manches, va travailler. Ce n'est que le travail qui peut te donner la vie que tu mérites. Ce n'est que le travail qui peut te donner ce que tu imagines. Rien d'autre. On ne distribue pas l'argent. Même Bill Gates ne distribue pas l'argent. Les multimilliardaires, je n'ai jamais vu. Jean-Paul Gaultier, ici, là, je vis en plein Paris, je n'ai jamais entendu qu'un milliardaire distribue l'argent. Hein? Toujours en train de taxer les gens. Ah là, toi, tu as faim. Donc, tu penses que comme nous, on ne fait pas comme les autres ce que nous avons faim. Comme je ne montre pas mes enfants, je n'ai pas les enfants. Comme je ne montre pas celui avec qui je suis, ça veut dire que je n'ai personne. Comme je ne montre rien, ça veut dire qu'elle n'a rien. Toi et moi, la différence, c'est que je suis éduquée. Toi, tu n'es pas éduquée. Je ne suis pas dans le suivisme moutonnier. Je suis là pour éveiller les consciences. C'est parce que tu comprends mon rôle sur terre. Et comprendre dans ma vie, c'est que je suis personnel soignant. C'est-à-dire que j'apporte un petit plus aux gens. Je ne guéris pas, mais je soigne. Je t'apporte le bien-être. Je te montre comment on fait pour avoir de l'argent. Je te donne pas de l'argent. Quand j'ai mon argent, je m'avais donné dans les orphelinats. À l'église, je paye la dîme. Tu comprends? Voilà donc la différence entre ceux qui ont la tête et ceux qui n'ont pas la tête. Merci beaucoup Estelle pour les 100 000 étoiles. Ça fait au moins 10 ans qu'on ne m'a pas donné les étoiles. C'est pas le discernement, c'est la jalousie. Bon, prends ça comme tu veux. Mais voilà, je suis jalouse. J'accepte, je suis jalouse. Si tu veux, je te l'accorde. Hein, sans faute, je suis jalouse. Avançons.
Alors, nous avons donc un phénomène aujourd'hui où les filles, on a attrapé une influenceuse nigérienne qui était sur Zanzangram. Instagram. Bon, je l'appelle Zanzangram. Elle était sur Zanzangram, elle vendait le rêve. Oh, aujourd'hui, elle a acheté la maison. Demain, elle voyage en jet privé. Après demain, elle boit le champagne. Après demain, elle est à Dubaï. Et pourtant, Langa était dans le réseau du Banga. N'est-ce pas tous les jours ici, je viens m'asseoir, je vous dis, je vous parle. Tous les jours ici, je viens m'asseoir avec ma langue au bout, je vous parle, non. Vous pensez que tu travailles dans les EHPAD? Oui, je travaille dans les EHPAD à l'hôpital américain. Quand tu arrives à l'hôpital américain, quand tu vois les petites urgences, tu arrives là-bas, tu demandes mon nom, tu demandes si je travaille, si c'est il y a l'EHPAD, peut-être il y a l'EHPAD là-bas parce que je ne connais pas tout l'hôpital américain. Donc, quand tu arrives là-bas, tu demandes vraiment s'il y a l'EHPAD, à l'hôpital américain, tu vois comment, tu vois non, à Neuilly, tu vois non. Voilà, parce que vous aimez souvent, quand elle, vous n'aimez pas, en fait, ce qui est vrai, vous n'aimez pas. Vous aimez dérouler le tapis rouge au médiocre comme vous. Parce que quand la reine des médiocres sort la tête de l'eau, tous les médiocres s'alignent. C'est ça qui est un peu bizarre. Quand la reine des médiocres se lève, tous les médiocres se lèvent. C'est comme ça. Et nous ne sommes pas dans le suivisme moutonnier. Laissez les gens qui ont encore la réflexion, la jugeote, qui veulent encore apporter un petit plus à cette jeunesse qui a besoin de nous. Ce n'est pas en montrant aux jeunes comment distribuer l'argent, mais comment on fait pour avoir de l'argent. Voici donc, ce n'est pas le procès de la coquette de diamant. Hein. Aujourd'hui, nous parlons de la blogueuse nigérienne qui a été arrêtée. L'engavant le banga. Donc, il y a les filles ici. Qu'est-ce qui vous dit que votre fille, sœur, là, ne vend pas le banga? Qu'est-ce qui vous dit que votre sœur, là, ne vend pas le banga? Qu'est-ce qui vous dit ça? Qu'est-ce qui vous dit ça? Gagner l'argent en France, c'est facile. Ce n'est pas comme gagner de l'argent en euros. On va beau se dire. On connaît des filles qui se battent ici. Elles n'ont pas encore atteint le nombre d'argent qu'on distribue tous les jours. Voilà donc une blogueuse vendeuse de rêves qui vous montrait qu'elle avait la belle vie. Quand on vous dit donc aussi que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il y a des gens comme celui qui vient écrire ici, Max Premier, souffre, je ne vais pas te bloquer. Parce que voilà, je te bloque pourquoi? Je sens que tu souffres. Au fond de toi, tu souffres, mais je ne bloque pas les gens qui souffrent. Tu vois un peu? Souffre de me regarder, de... Voilà quoi, tu vois un peu? Souffre de me regarder. Tu vois un peu, non? Voilà. Donc reste là, je ne te bloque pas. Et dis tout ce que tu veux. Éclate-toi, défoule-toi et tout et tout. Toi, tu n'es pas moi, moi, je ne suis pas toi. Je suis sûre que... Bref, je ne veux même pas parler parce que quelqu'un qui est heureux ne s'ignore pas. Quelqu'un qui est heureux, ça se lit même sur les commentaires. Tu vois, non? Si tu étais heureux, ton commentaire allait vraiment être différent. Tu n'es pas heureux. Tu vois un peu? Voilà. C'est pour ça, moi, je dis toujours que je ne peux pas me vanter. Parce que c'est Dieu qui bénit les gens. Bonne semaine, Sainte Mégane. C'est Dieu qui bénit les gens. C'est pour ça que je ne sais pas me moquer des gens. Je ne peux pas dire à une personne que tu n'as rien, tu es pauvre, tu es... C'est Dieu qui bénit les gens. Parce que même ce que tu as, c'est Dieu qui te donne. Tu vois un peu? Voilà. Donc, nous avons donc cette jeune dame influenceuse, elle est d'où même, nigérienne, qui se retrouve donc entre les mains de la police ou en tête. On l'a arrêtée parce que quoi? Elle vendait le rêve. C'est ce que je voulais donc dire aux petites filles, aux petites sœurs, aux grandes sœurs, aux petits frères, que voilà donc. Voilà la vie des rêves. Beaucoup, elles sont nombreuses ici sur les réseaux sociaux qui vendent le rêve. Elles sont nombreuses ici sur les réseaux sociaux qui vendent le rêve. Dès que tu ne vends pas le rêve, je dis, les réseaux sociaux peuvent te pousser à venir même montrer je ne sais pas quoi. Mais tout le monde, il y a ceux qui... Comprenez que sur Facebook, il y a ceux qui ont eu l'éducation et ceux qui n'ont pas eu l'éducation. Vous n'allez pas faire du genre... Oh, l'autre est venu me dire, oh, j'avais vu ton fils là-bas. Il a un œil. Moi, tu me fais rire, en fait. Mon enfant n'a jamais un œil. Mais c'est juste, en fait, c'est quelqu'un qui veut tellement te pousser à bout pour que tu présentes tes enfants. Ils sont comme ça, hein. Si tu n'as pas la tête sur les épaules... Ils vont tellement te pousser à bout, tu as faim, te voilà, tu commences à montrer ce que tu as. Et pourtant, leur but, ce n'est pas de te voir heureuse. Leur but, c'est savoir ce que tu as pour te tuer.
En fait, ce n'est même pas pour te faire du bien. Hein. On ne te, ils ne veulent pas te faire sortir de ta cachette parce qu'ils vont t'aimer. Ils vont t'apprécier. Non. Ils veulent te faire sortir de ta cachette pour te finir. C'est pour ça que quand je vois certaines personnes qui commencent à tout montrer, je suis enceinte, tu viens de dire sur les réseaux sociaux, j'ai obtenu ça, j'ai acheté la maison, j'ai fait ceci. Oui, être parvenu, même c'est aussi une maladie. Être parvenu, c'est une maladie. Et vous allez voir, c'est les parvenus qui aiment suivre les parvenus. Quand tu vas dire que non, pourquoi vous faites les choses comme ça? C'est pas bien. Pourquoi vous présentez tout? On va te dire quoi? Si elle ne présente pas parce qu'elle n'a pas. Elle fait la jalousie. Si elle l'avait, elle allait présenter. Il y a une qui m'a dit ça ici. Si de façon tu te vantes, si tu avais au moins quelque chose, tu allais nous présenter. Pourquoi je ne te présente pas mes enfants? Pourquoi je ne te présente pas ma vie privée? Tu ne me connais pas, même à 10%. Tu as l'image de la personne que tu vois en face en train de faire un live, c'est tout. Tu as l'impression de me connaître. Parce que de temps en temps, je te parle de mon métier. Mon métier où tu vois même, il y a les débats sur ça, sur ton propre métier. Sur ce que tu fais dans ta vie. Mais quelqu'un vient débattre et lui maîtrise ta vie plus que toi-même. Là, j'ai dépassé ça. Je ne suis plus à ce niveau. Débat, fais les débats avec les moribonds. Pff, moi, ça ne me dit rien. Dis ce que tu veux, dis ce que tu penses. Si ça te fait plaisir, ça te fait dormir tranquille, bravo. Mais je sais ce que je vaux. Vous voyez un peu. Donc, Mrs. Love, vivez caché. Hein? Vivez caché. Arrête de parler des gens qui n'ont pas ton temps. Bref, vivez caché, Mrs. Love. Il faut vivre caché. Ne vous exposez pas. Que personne ne te fait sortir de ton... Comme je vois souvent certaines mamans ici se clasher. J'ai le titre foncier. J'ai coulé la dalle. J'ai fait ceci. Les gens ont fait ça depuis 10 ans. C'est là où tu t'en rends compte que... En fait, c'est pas là. C'est la cour du roi Péto. Mais en fait, tu te dis... Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui sont nés pour orienter les autres. Il y a ceux qui sont nés. Il y a, comme je vous ai dit il y a de ça, je crois, une semaine que... Il y a une catégorie de personnes qui ne peuvent pas atteindre un degré d'argent. Parce qu'ils n'ont pas le mental. Tu ne peux pas avoir 10 000 euros. Les pieds ne touchent plus le sol. À 100 000 euros, tu vas faire comment? Tu vas seulement, tu marches en route, tu gifles les gens, tu marches en route, tu... Il y a un style d'argent. Chacun sait comment il est né. Et il y a un degré d'argent que certaines personnes ne peuvent pas atteindre. Parce qu'avant d'atteindre 100 000 euros, ils auront déjà la folie. Avant d'atteindre 500 000 euros, ils auront déjà la folie. Ils vont commencer à faire des choses que péter les plombs, se croire au-dessus de tout. Ça s'appelle la maîtrise de soi. Ça s'appelle l'humilité. Il y a des choses dans la vie, c'est même si tu pars à l'école 100 ans. Même si tu fais comment, tu ne peux pas avoir ça. Il y a le charisme et l'humilité. Il y a des gens ici, là même, je dis que, il y a des gens ici, tu donnes seulement 100 000. Tu donnes 100 000 euros ici en France. Mais les pieds ne vont plus toucher le sol. Mais les pieds ne vont plus. Quand tu les entends, oh, je vois telle, elle a porté un sac Chanel. Tu vois une femme, tu as 35, 40 ans, tu es encore au niveau des crashs des sacs Chanel. Ou bien tu vois une qui vient d'acheter un sac. Bubble Zamba, elle pose le sac sur la tête. Elle pose le sac ici. Elle pose le sac ici. Elle prend la photo ici. Elle prend la photo à la cuisine. Ce style de personne ne peut pas atteindre 1 million d'euros. Tu ne vas jamais atteindre 1 million d'euros. Parce que ton esprit, ton âme, ton corps vont à l'encontre de l'argent. Tu n'es pas né pour avoir l'argent. Tu es surpris par les miettes. Et quand on est surpris par les miettes, on devient fou. Quand on est surpris par les miettes, on devient fou. C'est comme c'est pas tout le monde qui entre à la présidence. C'est pas tout le monde qui cause avec le président. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes que tu rencontres une fois dans ta vie, tu n'auras plus jamais la chance de rencontrer cette personne. Et il y a des personnes que tu rencontres une fois dans ta vie change et tu restes auprès de la personne. C'est, il faut avoir de la lumière, il faut avoir ça dans la tête. Pas jusqu'à 10 000 euros, dis-nous seulement 1 000 euros. Ma chérie, si tu pètes alors les plombs à 1 000 euros, si on te donne 10 000, les pieds ne touchent plus au sol, à 100 000, tu deviens folle, tu commences à aboyer comme le chien. Tu mords tout le monde. Toi-même, tu comprends que tu n'es pas né pour arriver à un certain niveau. Tu vois un peu. La vie, c'est ça. La vie, si c'est le mental. Tu comprends? La vie, si c'est... J'ai vu les gens ici venir insulter. Oh, moi, j'ai les papiers. Toi, tu n'as pas les papiers. Ok, tu as les papiers. L'autre n'a pas les papiers. Et puis quoi encore? Et puis quoi? Hein?
Et puis quoi? Observez seulement les gens autour de vous. Entre sur terre, tu veux connaître les parvenus. Quand tu es là dans ton coin, tu observes. On te prend pour celle qui est perdue, celle qui a faim, celle qui ne sait pas ce qu'elle vaut, celle qui a une qui est venue me dire, je suis une belle fille comme toi, tu es à Paris, mais mon frère, là, comment tu es belle. Tu ne tacles même pas en what là qui va changer ta vie. Je n'ai pas faim en fait. Déjà de un, je n'ai pas faim. De deux, le what ne peut pas changer ma vie. De trois, le what ne suit pas l'argent. Je me bats à mon niveau. Tu vois un peu? Je me bats à mon niveau. Donc, il y a un style de personne, une qualité de personne, ou un style de personne, si on peut dire ça comme ça, que il faut juste observer. C'est comme le secret. Est-ce qu'on donne le secret à tout le monde? On dit le secret à tout le monde. Il y a les gens que même si vous ne vous parlez plus, la personne peut te garder le secret. Il y a les gens que même si tu donnes tout l'argent du monde, la personne même ses propres secrets est incapable de garder. Soit tu as ça, soit tu n'as pas ça. C'est la classe. Soit tu as ça, et tout le monde ne peut pas être président de la République. Tout le monde ne peut pas être ministre. Tout le monde ne peut pas être PDG d'une banque. Il faut, je dis, il faut un profil. Tu n'as pas le profil de quelqu'un qui peut atteindre 1 million d'euros. Pourquoi tu veux discuter avec... Toi, tu as le profil de quelqu'un qui peut atteindre 1 million d'euros. Sans toutefois bouger ton petit pouce. Vous voyez, vous vivez, vous êtes ici en France, vous êtes ici en Europe, partout en Occident et tout, tout, tout. Vous marchez, vous rencontrez souvent, c'est un watt. Le compte en banque est bourré. Le gars, petit mocassin, petite chemise. Tu ne peux même pas imaginer qu'il a l'argent. Mais il y a certains tontons ici. J'ai dit que comme ma soeur vient de dire là que 1000 euros, les pieds ne touchent plus le sol. Onesa, tu es qui? Tu es quoi? Pardon, tu sais à qui? Un gars m'a fait ça. Une connaissance, un grand frère. On était à Bastos. Il devait me remettre un document. Quand j'arrive au Cameroun, on était à Bastos. Il me dit, je suis au Carrefour Bastos. À ceux qui sont à Yaoundé, il y a une boulangerie là-bas en haut. Je crois qu'il y a un truc de café et tout et tout et tout. Je l'ai trouvé là-bas. On arrive, bon, il m'a attendu quand même. J'arrive, j'ai pris un chocolat chaud et tout et tout. Comme je ne bois ni café ni thé. J'ai pris un chocolat chaud. On papotait un peu et tout et tout. Au niveau de payer l'addition, les serveurs étaient très occupés. Les gars étaient occupés. Tu sens qu'il était à gauche. Il y avait du monde en fait. Donc, le gars se lève, il commence à monter le ton sur l'enfant. Oh, tu es là, on t'attend, depuis, nous avons fini. Je le regarde. Je suis choquée. Je me dis dans mon cœur que, mais, il est occupé. Il ne va pas se diviser en 8. En fait, tu t'en rends compte qu'il y a une catégorie de personnes. Après Dieu, c'est lui. Il a tellement pris le gars de haut. Le gars commence à dire, désolé monsieur, on arrive à la caisse. Le gars dit, il dit que, est-ce qu'on paye par Orange Money? Le gars lui dit, ceux qui sont au Cameroun, moi je ne maîtrise pas le système. Il y a un numéro, un code qu'on tape à l'accueil, à l'accueil si on peut dire ça comme ça, à la caisse. Il y a un code qu'on tape et après on donne les chiffres, l'ulti met les chiffres, Orange Money passe. Le gars dit que non, je ne vais pas faire ça, hein. Vous faites votre boulot. Il commence à prendre les gens de haut. Ça c'est des comportements qui m'énervent en fait. Lui, il est là pour servir, il n'est pas ton boy en fait. Donc, prendre les gens de haut parce que le gars, il a un peu. Juste parce qu'il a un peu, au niveau du pays, il a un peu. Pourquoi vous allez prendre les gens de haut? Mon frère, on regarde même ton compte bancaire, tu n'atteins même pas 100 millions. Mais tu prends tellement les gens de haut que si on te donne 500 millions, tu vas gifler les gens en route, tu vas tabasser tout le monde. Tout le monde n'est pas né pour avoir l'argent. C'est pour cela, vous voyez, au jour d'aujourd'hui, l'affaire des influenceuses, qu'on voyage, on dit, on mange, on dit, on pète, on dit, on boit, on dit, on avorte, on dit, on fait ceci, on dit tout. Même ce qui n'est pas vrai. Et le public aime aussi ça. Parce que quand tu es simple, le public n'aime pas ce qui est simple. Si je faisais un live là, avec, je ne sais pas quoi, les enfants qui couraient à gauche et à droite disaient à mes enfants, venez vous asseoir ici, venez pas là, mais sous un love. Et que ton enfant est comment comme ça, l'autre aussi a la grosse tête, l'autre aussi a une belle bouche, l'autre aussi te ressemble. Vous aimez les choses comme ça et pourtant ça ne vous apporte rien. Ça, c'est ma vie privée. Il faut savoir faire la différence entre la vie. Je ne sais pas à qui vous a éduqué. C'est la même question que je vous pose ici tous les jours. Qui vous a éduqué? Qui vous a éduqué? Je ne comprends pas. Les Camerounais n'aiment pas quand les autres ont la lumière, mon frère. Donc pour toi, déjà tu ne peux pas aller loin. Déjà tu n'as pas le discernement.
tu ne réfléchis pas, tu ne pousses pas la réflexion loin. Donc, dès que tu vois l'argent, tu cours. Si tu es une femme, c'est que tu es bordel. C'est que tu vends l'opinion. Si même si tu as essayé de vendre l'opinion, tant qu'homme, même tu portes les perruques, tu n'as pas donné. Parce que quand je te regarde ta réflexion, tu t'as dit que quelqu'un peut venir là avec 100 millions, tu dis qu'il a l'argent. Tu ne connais pas la provenance de son argent, tu le suis. Mince, nous sommes arrivés à ce point. Mais quelqu'un a l'argent, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il prend son argent où? Donc, même si c'est le serpent qui vomit son argent, l'argent égale l'argent. Même si c'est l'argent de la secte, l'argent égale l'argent, quoi. Hum? Mince, on va y arriver. Qui vous a éduqué? Facebook, c'est seulement l'association des fous. Ou bien c'est l'association des gens qui sont... Mais c'est pas possible. Et ça ne fait que prendre de l'ampleur. Ça ne fait que prendre de l'ampleur. Si je veux te dire, bonjour mon ami André Roland. Hum? Voilà. Voilà Booba. Comme tu dis que Booba. Et il y a une qui a dit, c'est une influenceuse, Maeva, qui dit que elle gagne sa vie en montrant, en vendant le rêve. Elle montre tout ce qu'elle achète. C'est comme ça qu'elle fait pour gagner sa vie. Ok. Et nos enfants alors. Vous connaissez le SMIC? Le SMIC est à combien en France? Le SMIC est à combien? Un loyer coûte combien? Imagine un enfant qui finit de regarder tout ça et qui voit sa vie de misère. Il va commencer à déprimer. Ne même plus vouloir travailler. Il y aura deux choses. Soit commencer à sortir les soirs pour aller chercher je ne sais pas quel riche, soit sombrer dans la drogue, essayer de vendre les stupéfiants pour vite devenir riche. Est-ce que vous connaissez même les retombées de tout ce qu'on voit là? Hmm? Qu'on vous montre comment on fait pour gagner de l'argent? Oui. Comment on fait pour créer des emplois? Oui. Comment on fait pour travailler dur? Oui. Mais c'est quoi l'exhibition de tout? En croyant que la vie est facile. Ce n'est pas parce que je mange que je crois que tout le monde mange. C'est pour ça que je dis souvent, sauf quand je suis au Cameroun, c'est quand je suis au Cameroun que je charme les gens pour dire aux gens comment la nourriture du Cameroun est bien et tout. Mais quand je suis en Europe, je ne mange pas devant les gens. Parce que je me dis, en face de moi, il y a des gens qui n'ont pas mangé. En fait, pourquoi je vais manger devant vous? Imagine, tu n'as pas mangé. Voici le ramadan, il y a ceux qui jeûnent. Toi, tu viens t'asseoir en face de quelqu'un qui jeûne. En fait, tu es en train de commettre un péché indirectement. Tu incites les gens à quelque chose indirectement. Ce n'est pas parce que ta vie est rose que tu crois que la vie de tout le monde est rose. Vous êtes là sur les réseaux. Oh, voici mon enfant, voilà ma fille. En face de toi, il y a une femme, ça fait 30 ans qu'elle demande l'enfant au bon Dieu, n'a pas eu. Sauf ce même soir, dès qu'elle finit de voir, de vous regarder, jouer avec tes enfants. Cette même soirée, cette femme va passer toute la nuit à pleurer. Dis Seigneur, pourquoi? Vous allez remuer le couteau dans la plaie. Cette soirée va passer toute la soirée à pleurer. Seigneur, il y a même d'autres même ici. On voit même comment elle ne traite pas bien les enfants. Elle est couchée là-bas. Elle veut l'enfant depuis là. Elle va aller demander au bon Dieu que papa, pourquoi tu m'as oublié? Papa, pourquoi tu m'as tourné le dos? Voilà les autres qui ont même les enfants jusqu'à ils négligent même. Je t'ai fait quoi? C'est pour cela que nos parents nous ont appris le système pour vivre revivons cachés. Ce n'est pas parce que tu n'es rien. Ce n'est pas parce que tu n'as rien. Ce n'est pas parce que... Non. Vie cachée. D'autres sont ici. À peine il achète un parpaing, on ne respire plus. Dès que tu vas dire, mais c'est quelle version ça? Ah, c'est parce que tu es jalouse. Ok. Quelle éducation? Qu'est-ce que vous allez apprendre à vos enfants? Nos parents nous ont appris les valeurs. Qu'est-ce que vous allez apprendre à vos enfants? Dites-moi un peu. C'est quoi les valeurs que vous allez inculquer à vos enfants? Les gros mots, leur montrer comment la vie est facile. Hein? Et les enfants ne font que vous regarder. Vous avez les petites filles ici, sont dans les Viva Strip. Je ne sais même pas si ça existe encore. Quand j'arrivais ici en Europe, Viva Strip était à la mode. Tu voyais même les jeunes collégiennes, les lycéennes, qui entraient dedans. Parce qu'elle voulait faire les TikTok, porter les marques. Mm-hmm. C'est influence. Toutes les jeunes petites filles, vous avez la majorité des jeunes petites filles, déscolarisées. On ne rêve plus de devenir médecin. Les enfants de maintenant ne rêvent plus de devenir médecin.
Je vais être TikTokeuse. C'est quelle version de boulot comme ça? TikTokeuse, c'est un métier. TikTokeuse, c'est un métier. Moi, je viens de vous parler. J'ai un métier dans ma vie. Ça veut dire que même si Facebook ferme, Facebook ne ferme pas. On me balance même en Chine, je vais travailler. Hein? Faut avoir c'est quoi ton métier dans ta vie. Qu'est-ce que tu sais faire en dehors de TikTok, en dehors de Facebook? Facebook paye, je ne vais pas vous mentir, pause publicitaire. Pour avoir une belle peau, une peau propre, commander la gamme de produits cosmétiques sur The Chic. Au plus 33 656 81 43 32. La gamme de produits cosmétiques Suze Chic est une gamme qui nettoie la peau, ça vous enlève les taches, ça vous enlève les seins. Vivi, les tu as vu? Je viens de couper mes cheveux, j'ai fait moi-même, j'ai fait moi mon chignon. Et j'ai recommencé à faire mes chignons. Donc, mes cheveux, ça fait le chignon. Donc, la gamme de produits cosmétiques Suze Chic, c'est une gamme qui ne décape pas la peau. C'est pour les peaux mat, peaux métissées, peau claire, peau noire. Tout type de peau, si vous avez des imperfections, c'est fait à base du collagène, de l'aloe vera, la vitamine C, la vitamine E, la vitamine A. Le direct comme ça, vous ne partagez pas. Voilà. Ça, quand ça va être le direct de Congo, ça, c'est pour ça que tous les blogueurs, dites-moi un blogueur qui n'entre plus dans la profondeur de certains trucs. Dites-moi un peu. Dites-moi. Dites-moi. Est-ce que le direct comme ça, vous partagez? Vous n'aimez pas, vous ne partagez pas, vous ne. Voilà quoi, ça ne vous intéresse pas. Si j'étais en train de clasher une personne comme ça, insulter une maman, tu allais voir comme ça. Là. Oui, c'est bien. Elle dérange. La maman là ne se respecte même pas. Vraiment, hein. Si j'étais moi, hein. Oui, dis-nous tout. Dis de ton ventre. Ton ventre n'est pas le magasin Bois de Satan. Mais t'as rien sans. Hein. Et comme chacun récolte toujours ce qu'il a semé, allons seulement. Dans la gamme de produits cosmétiques, Suze Chic est fait à base du collagène, de l'aloe vera, la vitamine C, la vitamine E, la vitamine A. Il y a la crème du visage, la crème de la crème qui vous nettoie le visage, ça vous enlève toutes les imperfections. Et il y a le savon ultra gommant, le savon aussi gomme bien la peau. Et... Vous avez alors l'huile de la baffe d'escargot, ça c'est mon huile. Ça c'est ce que moi-même j'utilise. Ce qui était petit la dernière fois là, c'est fini. Ça c'est ce que moi-même j'utilise, ça c'est mon huile. Ça huile bien les cuisses, et maman tu mets bien les cuisses, brille les bras, brille, tout brille sur toi, je vous assure. Donc, venez commander la gamme de produits cosmétiques à un seul numéro. Je vais vous le mettre ici. Voilà, voilà. C'est le plus 33 6 56 81 43 32. 33 6 56 81 43 32. Vivi, Letis, tu perds ton temps. Ils ne veulent pas partager. Est-ce que je clash? Si c'est un clash, c'est qu'ils partagent. Ils n'aiment pas. Non, j'aimais les... Ils disent quoi? Non, on aimait les petits sketchs que tu faisais, les petites vidéos que tu faisais, tu partageais. Ce n'est pas derrière ça que vous-même, vous venez m'insulter. C'est quand je faisais ça, vous n'insultiez pas. Hein, dites-moi un peu. Tu m'as payé quand? Hein? Voilà. Donc, quand on vous donne ce qui peut vous aider demain, vous ne prenez pas. Dès que je vais te faire le sketch, tu finis de rire. Après, ton ventre fait comment? Dis-moi. Hein? Dès que je fais le sketch, tu finis de rire. Ton ventre fait comment? Et de parler des vraies choses qui vont t'aider, qui vont t'ouvrir les yeux, qui vont te faire les choses bien. Hein? Ou bien parce qu'elle ne boit pas le champagne en plein live. Je ne vous montre pas les sacs chandelles. Je ne vous vends pas le rêve. Et bah, il va falloir que je trouve les astuces pour vous vendre le rêve. Hein. Mais le seul rêve que je peux vous vendre, c'est que pour vivre heureux, vivons cachés. L'humilité précède la gloire. Quand tu as besoin de quelque chose, demande au bon Dieu. Prie ton Dieu, il va t'écouter. Ne va pas chez les marabouts. Voilà alors les astuces que je peux vous donner. C'est tout ce que Tata Sou peut vous donner. Le reste là, ne sortez pas les maris des gens. Ne distribuez pas les chances. Gardez le vœu de chasteté. Tant qu'on n'est pas marié, on ne couche pas à gauche et à droite. C'est tout ce que je peux vous donner. Le reste là. Si vous attendez que Tata Sou vraiment va nous, tu vas attendre longtemps. Très longtemps.
Vous n'avez pas entendu ici sur les réseaux sociaux qu'elle n'a rien. Elle a faim, ses enfants ont faim. Elle n'a pas les papiers. Elle n'a rien. Elle manque, elle travaille. Vous m'aviez vu un jour me justifier. Hein? Parce que j'ai pas le temps. D'accord? Parce que j'ai pas le temps. Je n'ai rien à prouver. N'ai rien à prouver à qui que ce soit. Tu n'es en concurrence avec personne. Je dis bien personne. Parfois, il y a des gens qui donnent l'impression qu'ils ont réussi dans la vie. Et pourtant, ils sont très loin, loin de vous. Très, très loin. Et parfois, j'ai demandé à un grand frère ce matin que vous aviez déjà vu quelqu'un prendre de l'or, déposer dans un carrefour. Il faut juste être fou pour le faire. Ça veut dire que si tu es sur un bon truc, quelque chose de bien, tu as vraiment l'argent. Tu as besoin de dire aux gens que tu as l'argent. Mais quand tu as l'argent, moi si tu veux me voir chaude, fraîche, c'est quand je suis foirée. C'est quand je n'ai pas l'argent. Quand j'ai mon cap dans ma poche, je suis à ma petite robe, petite sang, babouche, petit truc. Tu me croises, même tu ne peux même pas imaginer que j'ai vu 10 000 francs CFA de ma vie. Vous comprenez un peu? C'est ça la vraie vie. Ma soeur, mon frère, tu n'es en concurrence avec personne. J'ai grandi dans un quartier où il y avait un monsieur qu'on appelait Petit Jésus. Ce monsieur, je vous raconte cette histoire parce que tous les jours je vous parle, vous ne voulez pas écouter. Ce monsieur arrive dans un quartier où c'était à Ebolova, derrière le stade. Il est venu travailler chez la veuve Charles Assal et à l'époque, je crois qu'il était ministre, ce monsieur. Le monsieur est venu comme employé dans la maison de la dame. Monsieur arrive, il est devenu, il a commencé à voir des visions. Quand le monsieur commence à voir les visions, les gens sortaient de partout, du Gabon, de la Guinée, je vous assure que, Mrs. Love, ce que je suis, je ne sais même pas ce que je suis. J'étais comme ça depuis toute petite. Je regardais la fête, les gens sortaient de la Guinée, du Gabon, du Nigeria, du Tchad. On disait qu'ils faisaient les miracles. Je dis, pour les samedis, il y avait, je dis que même pas, tu n'avais même pas un endroit où poser le pied. Quand je passais devant la maison du monsieur, même me retourner comme ça, et le monsieur là m'aimait parmi tous les enfants de ma mère. Le monsieur là, moi je vous dis d'abord, quand j'étais petite, j'étais pas jolie, hein. J'étais d'abord comme un garçon, laide, comme d'abord ma mère me rasait la tête. J'étais laide, plate, j'ai grossi. J'étais mince comme ça, tête rasée. Donc j'étais garçon manqué seulement. Et le monsieur là, il me dit bonjour. Bonjour, il m'appelait pas mon prénom. Il voulait toujours me dire bonjour. Et ça m'énervait au fond de mon cœur que tu. Les gens là venaient à gauche, à droite. Oui, il fait les miracles. Vraiment, même dans mon collège, les gens parlaient. J'entendais seulement que il y a un monsieur là-bas qui fait les miracles, qui est comme ça, qui est comme ça. L'affaire si me pionçait que, mais pourquoi, je vous assure que si j'avais beaucoup. J'avais 12 ans. Je vous assure que mes sous-love, dans mon cœur, il y a une partie de mon cœur qui dit que j'ai seulement envie de prendre le micro. Mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Le monsieur s'y est venu faire le ménage ici maintenant. Il dit qu'il soigne les gens. Vous venez à gauche. Les gens venaient comme ça. La fête a commencé à faire boum jusqu'à j'ai quitté la ville de Bolova. Je suis revenu à Yaoundé. L'affaire a commencé à faire boum. L'affaire a peut-être duré 10 ans. Un jour comme ça, j'ai travaillé à la SOPECAM, la société de presse et d'édition du Cameroun. Je sortais du boulot, je descends du taxi. Au Carrefour Van, Carrefour Van. Vous savez, il y a un total là, si je ne me trompe pas, si j'ai une bonne mémoire. Je vois comment le monsieur, quelqu'un m'appelle. À l'époque, le monsieur était clair, il a commencé à mettre une sorte de crème, il est devenu vraiment... Quelqu'un qui prend un son de l'huile éclair, il ajoute encore le lait, il était vraiment... C'est comme ça que les gars les met. Vois comment quelqu'un m'appelle. Je me retourne. Le monsieur est devenu l'ombre de lui-même. Vous savez que quand vous êtes petit, vous n'oubliez pas vos aînés. C'est l'enfant qui reconnaît l'adulte. Mais je me retourne comme ça, je le reconnais. Dans mon cœur, je me dis, il est déjà en train de lire. Quand j'appelle alors la matinée, je dis que, mais, lis le monsieur, le voisin qui était fort, fort là, les gens venaient partout dans le monde entier, venaient prier et tout, qu'il a les visions, il soigne les gens, il donne les mariages aux femmes, il donne les enfants aux femmes, les femmes tombent enceintes, il opère les miracles. En fait, je vais vous dire, même le diable même le diable fait les visions. Même le diable pose les actes comme Dieu, en fait. Comme on dit, le sucre ressemble au sel.
C'est-à-dire que quelqu'un, il faut avoir le discernement pour voir si ça c'est un vrai enfant de Dieu, bien un vrai prophète ou c'est un faux prophète. Même quand vous lisez la Bible, c'est écrit dans la Bible que il y aura des faux prophètes. Voilà, qui seront comme des vrais prophètes, qui seront confondus aux vrais prophètes. Ça veut dire que si tu n'as pas le discernement, tu ne peux pas faire la différence entre un vrai prophète et un faux prophète. Et comme j'ai toujours, je ne sais pas ce que j'ai au fond de mon cœur. Quand mon cœur findique, ça findique. Je regarde le monsieur, je me dis dans mon cœur que, je demande, j'appelle la matière après. Comment tu vas et tout, tu sors, je lui dis que ah, je travaille là-bas, nanana, donne-moi ton numéro. Je lui ai donné un faux numéro. Il m'a dit qu'il allait m'appeler, j'ai dit yes. Ce monsieur depuis le quartier, j'ai dit qu'il est même au voix, il est même appelé, il voulait tout me parler, mais mon corps, mon âme, mon esprit le rejetait seulement. Je vous assure que, voilà donc j'appelle la matière, je dis que, mais le type, si j'ai vu tel, est-ce que tu sais, je dis que, hé, hey, maman, attends, je te dis, n'est-ce pas, on dit que la puissance ne donnait plus, le miracle ne fonctionnait plus, il a fui Ebolova, il est seulement venu se cacher à Yaoundé, c'est là-bas qu'il fait déjà les miracles. C'est une manière de vous dire que moi, ce que j'ai vu, j'ai déjà vécu dans ma vie. Je vous ai raconté l'histoire où j'ai vu deux copines. Une qui a arraché le mari de sa copine. Elle a arraché le mari de sa copine. Elle est partie faire deux enfants. Le monsieur n'a même pas fait 5 ans. Le monsieur est décédé. Le monsieur l'a laissé avec les enfants. Celle qu'on a arraché le mari ne faisait pas les enfants. Elle est dans un mariage jusqu'à présent. La vie que vous voyez ici, là, ce que moi je vois, j'analyse, je transmets. Parfois même toi tu peux voir, tu n'analyses pas et tu ne peux même pas transmettre. Parce que tu ne vas rien comprendre. Tu vas regarder une situation et tu vas passer à autre chose. Moi quand je vois une situation, j'analyse. C'est pour ça que tout le temps je viens m'asseoir ici, je vous dis c'est le temps qui justifie les moyens. Je vous avais donné ici sur la toile 5 ans, vous allez voir les choses. Je vous ai dit que les gens vont commencer à disparaître ici dans la toile, sur la toile, one by one. Il y a les influenceuses qui vont disparaître, pas disparaître qu'on a kidnappé, disparaître que... Je ne peux plus vendre le rêve, c'est bon pour moi, je disparais. Les gens vont, je vous avais donné 5 ans, non? Je vous avais donné 5 ans, vrai ou faux? Vous allez voir les choses. Il y a de cela 5 ans, quand je parlais de 5 ans, il y avait la croqueuse de diamants. C'est une nouvelle influenceuse, non? Donnons-nous le temps. Le meilleur temps, c'est le meilleur remède, c'est le temps. Donnons-nous le temps. Demandez souvent le discernement. Moi, j'aime, je vois une jeune fille dynamique et tout, mais tout ce qui est derrière, ça me semble louche. Voilà. C'est tout, c'est mon avis à moi, je la déteste pas, j'aime les dynamiques, elle bouge en plus, très jolie fille et tout, mais je me pose la question qu'il y a quoi autour, il y a un truc autour, ça va nous trouver ici. Ce n'est pas que, c'est pour ça que je ne m'attarde même pas sur ça, j'aime son côté dynamique, hein, mais dans un autre sens, ça fait trop de bruit. Même la vie n'aime pas les bruits, l'argent n'aime pas le bruit, le succès n'aime pas les bruits. Un succès qui, avec les bruits, là, finit toujours dans les bruits. Vous comprenez le français? Faites la partage. Mon ami André Roland dit, faites la partagation. Est-ce qu'ils vont faire la partagation? Déjà, je dirais, si ils n'aiment pas, tu vas leur dire les vérités. Ils vont ouvrir les yeux. Ils ne doivent pas. D'autres sont là. Et pourquoi ils veulent ouvrir les yeux aux gens? Oui, je sais que je suis combattue. Je dis trop les vérités aux gens. Voilà. Les gens qui ont les yeux fermés vont ouvrir les yeux. Vous n'aimez pas les choses comme ça. Non, voilà, on va faire comment? On va faire comment? Partagez le direct. Envoyez les cœurs, envoyez les pouces, envoyez les étoiles. Hein? Même les étoiles. Même les étoiles. Hein? Envoyez les cœurs, envoyez les pouces, partagez le direct. Vous voyez un peu? Vous n'aimez pas partager. Mais après, vous allez dire, je ne comprends pas. Et ma page est brève. Signalement, c'est le signalement de ma page que vous voulez voir. Moi, ma page est toujours signalée. Hein. Ma page n'est pas... Si je commence à vous faire, je vais commencer à faire les captures de signalement, je vous envoie. Je n'ai pas moins de 5 signalements par jour. Je vois même que ma page vit encore. Je n'ai jamais changé de page. Parce que vous voyez, certaines personnes, ils ont 3-4 pages. Moi, je n'ai jamais changé. Donc, le jour qu'elle va sauter, là, je vais créer une autre page. J'ai la flemme. Voilà. Déjà, sur tous les réseaux, je ne peux pas être ici, à gauche. Je me demande comment les autres font. Être partout en même temps. L'autre, là, me dépasse. Vous voyez un peu, non? L'autre là me dépasse. Donc, le meilleur remède, c'est quoi? C'est le temps. Le meilleur remède, c'est le temps. Vous n'êtes en concurrence avec personne. La fille du voisin a eu le baccalauréat. Félicitations au voisin et à sa fille. Si ta fille continue à faire son école, il faut l'encourager, c'est tout.
Tu n'es en concurrence avec personne. Je connaissais une tata comme ça. À chaque fois que ses enfants réussissaient le baccalauréat, elle faisait la fête. Tous, la maman l'a même décédée. Tous ses enfants sont des sous-là. Elle narguait les gens. Vous voyez un peu le style des personnes. Les enfants sont très intelligents. Ce n'est pas parce que tes enfants sont intelligents que intelligence ne veut pas dire réussite dans la vie. Je suis pas allée à la Sorbonne, mais je n'ai pas faim. Je ne suis pas allée. Ma maîtresse du CM2 m'avait dit que elle nous disait toujours des méchancetés. Ça me surprend que c'est son fils qui est en prison alors que je vous parle. Celui qui crache en l'air reçoit sur son front. Tout ce que tu fais du mal aux gens, tu récoltes. Tu vas beau tendre des embuscades aux gens, tu vas récolter ce que tu as semé. C'est comme ça et pas autrement. Parce que la vie, c'est ça en fait. La nature te rend ce que tu as semé. Il y a certaines personnes qui vont activer leur truc, tu ne sais pas. Il y a les gens qui marchent avec les étoiles des autres ici. C'est pour un temps. Il y a ce qu'on appelle aussi le feu de paille. Le feu de paille. Boum, 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 boum. Tu as envie quoi? Tu connais quoi? Tu connais quoi de sa vie? Alors, la tête de mort, je vais te bloquer. Voilà. Tu arrives dans mon direct, tu viens envoyer les têtes de mort. Ça veut dire que tu n'es pas intelligent. Ça veut dire que tu n'as rien compris. Je vais te bloquer. Il y a une catégorie de personnes que j'avais bloquées dernièrement. Et les gens là, j'ai débloqué au moins 10 000 personnes. Yvan Kenya, je te bloque avec la photo de Kamto. Je ne peux même pas te bloquer. Je te bloque. Voilà. La paix est bien. Quand on n'aime pas une personne, vous voyez un peu, non? On ne patane, on ne... Vous aimez les futilités. Vous allez élever. Hein? Vous allez élever ce qu'il ne faut pas élever. Rabaisser. Tu parles de tes choses, tu vois carrément les gens qui t'envoient les têtes de mort. Dites-moi un peu, si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Blaise, tu viens dans mon direct, tu te caches. Blaise, tu te caches maintenant dans mon direct. Donc faites très attention. Comme je vous dis, le monde est physique et spirituel. Si tu veux vraiment accepter que... Oh, toi, tu vas seulement faire le suivisme moutonnier. Tu entends là-bas que oh, voilà une fille de 20 ans qui vient d'acheter une grande maison. Tu commences à courir, tu commences à rêver, tu peux faire ce qu'elle fait. Tu es sûr que celle qui a 20 ans là va atteindre 40 ans. Tu es sûr comment elle a 20 ans là va atteindre 35 ans. Tu es sûr comment elle a 20 ans là va même atteindre 50 ans. Pourquoi vous êtes même souvent comme ça? Ma grand-mère disait que où tu vas dormir, tu n'arrives pas tôt le matin. C'est-à-dire que si tu veux dormir quelque part, peut-être tu vas dormir chez le voisin. Si tu arrives à 8 h, mon frère, entre 8 h et 20 h. Ah, il y a beaucoup d'heures, hein? Donc, si tu arrives chez quelqu'un, si tu vas dormir à 20 h, arrive même à 19 h, 19 h 30, tu n'as que 30 minutes pour dormir. Tu ne peux pas arriver très tôt le matin. Donc, où tu vas aller dormir, c'est-à-dire que ce qui est à toi est à toi. Ce qui est sûr, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui est destiné à toi, tu ne vas pas courir pour l'avoir, en fait. Tu ne peux pas, comme on dit aussi, tu ne peux pas cueillir ton. Tes mangues avec le mauvais cœur, c'est-à-dire que voilà ton manguier qui est là, les mangues ne sont pas encore mûres. Tu lances déjà les pierres. Tu ne peux pas, si c'est ton manguier, tu attends la mangue mûrir, tu montes. Tu cueilles ta mangue, ça va mûrir au fur et à mesure. Tu ne vas pas te faire toi-même le mauvais cœur, vrai ou faux. Donc la vie que nous voyons là, 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 ce n'est pas la concurrence. Ce n'est pas la course. Laissez ceux qui sont dans le bling-bling, le m'as-tu vu. Chacun est comme il est. Je vous ai dit, même pour être influenceuse, pour vendre le rêve, il faut aimer le match vu. Parce que quand tu aimes le match vu, tous les jours, tu vas te filmer.
Tous les jours, tu te filmes. Il faut montrer ta nouvelle robe. Il faut te montrer ton nouveau sac. Il faut montrer comment tu as changé tes rideaux. Il faut montrer comment... Il faut avoir ça dans le sang. Le match vu. On ne se lève pas un matin, on commence à faire... Je dis, même la vantardise, il faut avoir la vantardise dans le sang. On ne se lève pas un matin, on est vantard. Hein? Celui qui est vantard, même s'il n'a rien, il va se vanter même avec de l'eau. Je dis l'eau. Le gens qui va boire de l'eau, on dirait qu'il boit l'onction. Je vous assure, l'onction de l'Esprit Saint. Tu regardes comme ça, tu te dis, ok, c'est encore l'eau qu'on boit comme ça. Quand vous voyez souvent certaines personnes, ils achètent une bouteille de ruinard. Le ruinard quoi, qui est comme les urines là. On pose comme ça en boîte de nuit. Toute la soirée, voilà le téléphone. Ruinard. Je ne connaissais pas le prix de l'affaire là, juste par curiosité. Un jour, je suis entrée sur mon téléphone. J'ai tapé ruinard. Beau blanc, beau rouge, beau jaune. J'ai regardé le prix, mais c'est tout ça que je vois souvent. Les gens, on ne respire pas si une personne est sortie. Ruinard, ruinard. Je croyais que le ruinard, ça coûtait même 1 million d'euros la bouteille. D'autres, alors, tu entends seulement que j'ai dîné avec le caviar. Celui même qui a les milliards, que le caviar n'est plus un luxe pour lui, va faire comment? Dites-nous un peu. Juste dans le match vu. Juste dans la vantardise. La vantardise, il faut avoir ça dans le sang. Oh, vraiment, j'ai vraiment ça. Tu as même vraiment vu. Oh, tu as vraiment vu ça. Oh, j'ai ça. Tous les jours, tu dois montrer. Attends un peu. Ok. Quand tu es vantard, la question que je pose, le jour que tu tombes malade, tu fais comment? Le jour que tu es malade, tu ne peux plus te filmer tous les jours pour montrer aux gens comment tu as la belle vie, comment tu manges bien, comment tu as voyagé. Le jour que tu es malade, tu es hospitalisé une semaine. Parce qu'il y aura un jour que tu vas arrêter de le faire. Quelque chose que tu vas arrêter de faire, pourquoi commencer? Parce qu'on n'a pas le discernement. Parce qu'on se limite aux choses de la terre. Les choses de la terre sont bien, hein? C'est bien de travailler dur, de mettre les garde-fous dans sa vie. Mais tu ne travailles pas dur pour montrer aux gens que je suis déjà arrivée. Tu ne travailles pas dur pour être en concurrence avec les gens. Il y a des gens ici qui veulent montrer que je suis déjà arrivée. Tu n'as pas besoin de montrer aux gens que tu es déjà arrivée. Quand tu es déjà arrivée, ce sont les gens même qui parlent même derrière que... Comme vous voyez celle-là, là. Ce n'est pas comme vous pensez là. Mais de je suis, tu es parvenu. Et c'est, je crois que c'est une maladie que la nouvelle génération a déjà portée jusqu'à ce n'est plus bon. Être parvenu maintenant est devenu, je ne sais pas. Si vous étiez comme les Paris Hilton, on allait encore respirer. Genre que quand tu passes, même on coupe les airs, que aucun avion ne survole. Quand tu passes comme ça, tu as seulement les motards, ping-pong, 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 tel va passer. C'est pour cela que je dis, il y a un degré d'argent que certaines personnes n'auront jamais dans cette vie. Oui, tu vas bien patauger, tu vas bien courir, faire tout ce que tu veux. Il y a certaines portes que certaines personnes ne seront jamais ouvertes à certaines personnes. Il y aura toujours une limite. Même si un jour tu passes comme ça, tu te prends en photo avec le... Ça va voir souvent, même ici sur les réseaux sociaux, regardez la majorité des influenceuses. Le jour qu'elle tamponne le ministre, elle prend la photo, elle poste. Parce qu'elle-même, elle sait que ce n'est pas son niveau. Mais quand si tu comprends déjà que le ministre, c'est quelqu'un comme toi, vous pouvez échanger dans le respect. Tu n'as pas besoin que... J'ai vu tel, je me filme, je poste. Vous m'aviez déjà vu, je ne suis pas exemple. Hein. Vous pensez que je ne connais pas les gens. Détrompez-vous très mal. Très mal. Quand je vous dis souvent que je suis le carrefour des carrefours, je connais les gens. Je vous assure, détrompez-vous. Mais vous n'allez jamais me voir prendre une photo avec une personnalité, quelqu'un que je connais bien, quelqu'un de connu, connu, venu poster sur les réseaux sociaux, jamais de la vie. Mais si tu prends mon téléphone, tu vas me regarder comme ça que toi, tu es même comment. C'est là où tu vas comprendre pourquoi. Vous voyez un peu? Parce que si je poste la photo,
Vous savez pourquoi on poste les photos? Complexe d'infériorité. Pour te montrer que je connais telle. Et pourtant, la personne sortait de son dîner. Toi, tu l'as vu comme ça, vous avez pris la photo. Ça ne veut pas dire que vous connaissez. J'ai des gens que je connais. On ne peut même pas tenir une conversation de 5 minutes. J'ai des gens que j'ai des numéros que je n'ai même jamais appelés. Parce que je ne suis pas déjà une lèche-botte de 1. De 2, je suis dans mon coin. Vous voyez un peu. Sauf si on veut parler de quelque chose d'intéressant, oui. Je ne suis pas le genre que tu vas être derrière les gens. Vraiment, oui, excellence, vraiment, ou bien tel, vraiment. Je n'ai pas besoin de ça. Mais je te connais, tu me connais, tu m'apprécies, je t'apprécie, ça se limite là. Mais il y a une catégorie de personnes. Maman, j'ai rencontré Jet Li. Antes, j'ai vu Bruce Lee. Anouama, j'ai vu Jackie Chan venir manger ici à Paris. Antes, Zambouama, j'ai vu Paris Washington passer là-bas. Anouama, voilà. Allez, je vous ai dit, vous connaissez l'hôpital qu'on appelle l'hôpital américain. Si vous voulez voir les stars du monde entier, allez seulement faire. Faites seulement 3 mois là-bas. Les gens que vous ne pouvez même pas imaginer, qui ont là un argent, vous allez les voir là-bas. Les Africains, alors, ce n'est que les non-ministres de l'Afrique, je ne parle pas du Cameroun, de l'Afrique, qui viennent se soigner là-bas. Tu les vois. Tu entends seulement que la personne se présente. Je suis la fille de telle. Là-bas. Tu as besoin de prendre les photos avec les gens pour montrer aux gens que je mange déjà 3 fois par jour. Dès que je me filme avec Bruce Lee, avec Jet Li, ma vie change. Dès que je te montre que j'ai croisé Paris Hilton, ma vie va changer. Et Paris Hilton, c'est Paris Hilton. Moi, je suis ma Paris Hilton de chez moi. C'est tout. C'est ça qu'on appelle la grandeur. La grandeur. C'est ça qui fait la différence. Vous comprenez un peu le français? Ce n'est pas que tu n'es rien. Donc, si tu es comme ça, ne te dis pas que ce n'est que tu vas aller loin. Tu es né pour guider. Tu es né le genre que c'est toi-même qu'on doit prendre comme référence. C'est que la vie, si parfois on veut vouloir mélanger, même si on veut te mélanger, on va dire que non, on veut vraiment mélanger les gens aussi, mais celle-ci n'est pas comme ça là. Vous voyez un peu? Voilà, exactement. Tu ne te mêles de la vie de personne. Tu te mêles de ta propre vie. Tu ne fais pas les courbettes. Je vais au Cameroun, je rentre. Si j'étais le genre de personne, j'allais être. Mais mon frère, tu ne m'invites pas à l'émission. Il faut déjà savoir pourquoi tu m'invites. J'ai les invitations. Suzon t'invite à tel endroit, je veux savoir pourquoi. Ce n'est pas que je n'aime pas l'argent, j'aime l'argent. Mais c'est quoi le but? On m'a déjà invité au Gabon plusieurs fois. Je viens faire quoi? Non, non, non. Je suis promoteur de ceci. Je te prends le billet d'avion. C'est le piment. C'est le piment. C'est le piment. Ayena Koufroua, Kouba, il veut te mettre la main dans le caleçon. Toi aussi, je vous invite. Je vous invite où quoi? Il veut découvrir. Toi aussi, avec ta petite chance, tu portes des pieds parce que quelqu'un te dit que je te prends le billet d'avion, je te donne en cachet 3 000, 4 000 euros. Tu te dis que j'avais où ça où? En un seul week-end, on m'invite à une soirée. Si j'ai une fête, je veux que tu viennes comme invité surprise. Je vais faire quelle prestation? C'est le piment, en fait. C'est le piment. C'est que comme tu t'habilles toujours, quand tu vois, tu vas mettre une robe comme ça. Tu penses qu'il te décrit ça? Il faut être bête pour ne pas comprendre. C'est le piment. C'est comme pour ça que vous voyez certaines filles, elles se mettent dans le piment, elles nous refusent carrément d'assumer que c'est le piment. Mais tu parles là-bas en tant que qui? Il va te loger, vous allez dormir à l'hôtel, c'est ton cousin, c'est ton frère, c'est ta père. Donc vous allez dormir comme ça, vous n'allez rien faire, quelqu'un qui t'a pris son billet d'avion. Mais il veut te faire, il veut te mettre l'argent dans la main dans le caleçon, racoler toutes les chances que tu as. Tu rentres, tu es vide. Parce que quand on te voit, le danger des réseaux sociaux, c'est que quand on te voit, on te lit. Ceux qui ont 4 yeux t'ont déjà lu. Il y a une autre personnalité qui m'avait dit dans mon propre téléphone que je vous parle ici. Que quand je vous parle, je sens que... Et c'était la première et la dernière fois que je n'ai plus jamais parlé avec ce monsieur. Jamais de la vie. Que moi, c'est là. Oh, votre aura, vraiment, on sent votre aura jusqu'ici. Vraiment, on sent que autour de vous, il y a de ces énergies. Quelqu'un qui te parle les choses, tu te dis que Dieu, il rappelle her. Rien que l'appel. Quelqu'un comme ça t'invite, tu pars. Tu pars où? Vous pensez que nos parents étaient fous qu'on ne part pas chez n'importe qui?
On ne mange pas chez n'importe qui. On n'accepte pas l'invitation de n'importe qui. Vous pensez que nos parents étaient fous? Nos parents nous ont préservés. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Et il y a les filles qu'à 20 ans, on a raflé toutes leurs chances. Toutes les chances sont parties. Tu peux réavoir tes chances, restituer tes chances si tu pries. Tes chances vont revenir. Combien de filles ici brillaient? Aujourd'hui, elles sont devenues hommes. Et tu entends seulement, ah, quelqu'un, un homme m'avait donné comme ça là 10 millions. Dans les 10 millions, il a pris quoi? Pourquoi tu ne travailles pas toi-même ton argent? Pourquoi tu ne travailles pas toi-même ton argent? Travaille toi-même ton argent. Pourquoi tu ne fais pas quelque chose toi-même de tes deux mains? Pourquoi tu dois attendre que quelqu'un, tu ne connais pas la provenance de son argent, et la personne te donne? Dis-moi un peu. Tu as fait quoi pour qu'on te donne 10 millions de francs CFA? Tu as fait quoi? Vous pensez que nous ne connaissons pas? Quand tu es même influenceuse ou blogueuse ou... Moi, je suis même d'abord le genre que les gens me font confiance. Tellement confiance que j'ai souvent une catégorie de personnes que la personne t'appelle, la personne parle seule. Je vous assure, la personne... Je ne sais pas ce que j'ai, mais je suis aussi des personnes que quand une personne m'appelle, la personne parle seule. Je ne demande rien. Comment ça se confie? C'est Dieu qui m'a créé comme ça. Ou bien comme Dieu sait que je ne suis pas quelqu'un qui bavarde sur les vies des gens. Oh. C'est pour cela que les gens se confient trop vite à moi. Ou c'est un piège. Oh. Parce que quand quelqu'un te confie sa chose, si tu répètes, c'est toi qui portes la malchance. Je ne sais pas si vous vous en rendez même compte. Je ne sais même pas si vous vous en rendez compte. Que si quelqu'un te confie un secret, et que tu vas... C'est ça, vous voyez, dans la médecine, on parle de secret professionnel. Tu fais l'erreur, tu pars en prison, tu perds ton diplôme. Là, ça, c'est la, ça, c'est côté professionnel. Hein. Mais la nature, quelqu'un te confie son secret. Il y a les gens ici qui m'ont déjà insulté sur la toile, qui m'ont confié les secrets. Des grands secrets. J'ai fermé ma bouche. Je me dis, si c'est la tentation, mieux je ne parle pas. Il y a des gens ici qui ne me parlent plus, qui m'ont confié des choses que si j'ouvre ma bouche. Quand je dis souvent que je suis le carrefour des carrefours, Dieu merci, je ne parle pas. Et parfois, je reste comme ça, je me félicite. Parfois, quelqu'un te pousse tellement à bout. Quand quelqu'un prend son téléphone, m'appelle, me raconte de ces choses, je suis le carrefour de carrefour. Je ne pose pas souvent la question. Tu commences à parler seul. Pro, je t'écoute. Je dis ok, d'accord. Vibala. On ne se parle plus. Même si on se parle. Ton secret reste intact. Tu m'as dit un truc, c'est resté là. Je m'en fous. Parce que moi-même, d'abord, ma vie me dépasse. Moi-même, où je suis assise là, ma vie me dépasse. Dès que je termine mon direct là, j'irai chercher mes enfants à l'école, leur donner à manger. Voir s'ils ont bien fait leurs devoirs après les cours. Poser les questions par rapport à leur journée. Je vais me mêler de la vie de quelqu'un que moi-même, ma vie me tape. Et je me mêle de la vie de quelqu'un. Ça ne m'intéresse pas. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Révérend pasteur, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Dans la vie que vous voyez ici, là. Chacun est venu faire sa part sur terre. Ne sois en concurrence avec personne. Je dis bien personne. Ne cours pas parce que tu vois les gens courir. Et il y a un monsieur qui était décédé ici. Je parlais avec ce monsieur. Le monsieur là qui avait dit que Paul Biya va mourir ou c'est en 2020, ou c'est en 2018, ou c'est en 2000 combien. Je parlais avec lui, Claude Songhe. Je parlais avec lui, il était aux États-Unis. Avant de mourir, même une semaine avant, c'est quelqu'un que, voilà, on s'était parlé et tout, il m'expliquait plein de choses et tout. Un matin comme ça, j'entends qu'il est décédé. J'étais choquée. Il y a des gens que quelqu'un vient comme ça, il me parle. J'écoute. Merci beaucoup. Voilà. Donc tu n'es en concurrence avec personne. Tu n'es pas là pour je ne sais pas. Tu ne veux pas, je ne sais pas, tu n'es pas là pour... Je ne sais même pas comment je vais dire ça. Hein? Tu as ton enfant, l'enfant pas à l'école, l'enfant ne réussit pas. S'il y a une école de formation, tu l'envoies là-bas. Tous les enfants ne sont pas obligés d'avoir le doctorat, c'est le souhait de tous les parents. Hein?
Aucun parent n'accouche son enfant pour ne pas avoir le baccalauréat, ne serait-ce que le baccalauréat. Mais il y a les enfants ici que tu sens vraiment que c'est chaud, tu as poussé. Il y a les écoles de formation. Tu l'envoies là-bas. Tu l'envoies là-bas à l'école de formation. L'enfant va se faire former. C'est tout. Ce n'est pas parce que l'enfant a l'école de formation que l'enfant ne va pas réussir. Apprenez Manga, bonjour. Tu es où depuis un bon bout? Il y a les écoles de formation. Mettez, là, chacun a sa vie. Ce n'est pas parce que l'enfant de ta soeur ou bien de ta cousine de qui à l'université catholique ramène les 19 de moyenne et ta part ramène 9, 8 de moyenne, 7 de moyenne, qu'elle, elle est ratée. Pas du tout. Peut-être que ce n'est pas son domaine. Tu l'enlèves là-bas, il y a des écoles de formation. Est-ce que tu sais qu'on peut très bien faire la couture et réussir dans sa vie? On peut très bien faire la coiffure si tu mets la tête. Oui, tu as un enfant, 18 ans, 19 ans, la tête n'est pas à l'école. Si elle aime poser les perruques, fais en sorte qu'elle se perfectionne, elle se perfectionne dans le collage des perruques. Ne regarde pas que la Sorbonne n'est pas pour elle. Moi-même, je n'étais pas à la Sorbonne. Moi-même, je n'étais pas à la Sorbonne. Ce n'est pas parce que la Sorbonne n'est pas pour elle qu'elle va rater sa vie. Oriente-le, là ou le. C'est-à-dire, si tu as un fils, il est là, il n'est pas. La tête est dure à l'école, il va fuir l'école. Tous les jours, tu sens que l'enfant ne veut plus aller à l'école. Il y a les écoles de formation. Tu étais au Cameroun, tu m'as gardé quoi, Polony Manga? Il y a les écoles de formation. Il y a la menuiserie, il y a, voilà, il peut apprendre comment, il peut devenir peintre, il peut devenir maçon, il peut devenir, je sais pas, il y a plein de trucs, il y a tellement de choses. En époque de nos parents, nous, moi, quand j'étais petite, on me disait que moi, je voulais devenir soit hôtesse de l'air parce que je voulais parler beaucoup de langues. Soit journaliste parce que je regardais souvent Armand Vought, je regardais souvent le journal. Assise par terre, toute petite. Je regardais souvent Armand Vought, tante Armand Vought à la télé. Toute petite, assise par terre, regardais souvent le journal. Je voulais être hôtesse de l'air, journaliste, styliste, ou je voulais même encore devenir quoi. J'avais plusieurs choix dans ma tête. Mais ma mère ne m'a pas orientée où je voulais. Il fallait aller faire le long crayon. Tout ce que j'ai fait là-bas à l'école, j'ai appris quoi ça ou ici là. Je ne pouvais même pas imaginer un jour que j'allais faire la médecine. Parce que déjà, à la base, j'avais peur du sang. C'est une vocation qui arrivait comme ça. Bien comme ma grand-mère m'avait aussi dit qu'elle devait soigner les gens. Il fallait suivre. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, je suis allée à l'école, non. J'ai eu mon diplôme ici, non. J'ai travaillé, non. J'exerce encore dessus, non. Je suis devenue ça. Tu connais la vie. Tu connais la vie. Quand tu décides de faire quelque chose, tu le fais bien. Ce que tu trouves que ton compte, c'est le plus important. Ta vie n'est pas la vie de ta soeur, ni la vie de ton frère. Ce n'est pas parce que tu entends que l'enfant de ta soeur a eu le concours de l'ENAM que tu vas toiser ta part tous les jours. Si ta part veut faire la menuiserie, il faut l'orienter là-bas. Il peut même devenir le plus grand menuisier où même les présidents vont s'aligner pour avoir je ne sais pas, chez lui, le catalogue chez lui. Donc, où l'enfant part, tu l'orientes seulement. J'ai un ici à la maison, Anderson. Il est à fond au foot. Anderson, l'année dernière, ne parlait pas du foot. Il me dit, maman, je serai ton médecin traitant. Moi, je suis championne. Oui, maman, tu vas être mon médecin traitant, mon père. Pardon, tu vas devenir mon médecin traitant. Ouais, tu sais que tu es mon dernier marché. Tu vas devenir mon médecin traitant. Depuis un an, je l'ai inscrit au petit tour d'école de foot et tout mélangé. Sport et études. Mon frère. Le gars aime le foot le samedi matin, comme ils ont souvent match. C'est lui qui me réveille même à 5h du matin. Vous jouez à 11h, 5h, tu me réveilles déjà. Le gars est prêt jusqu'à le soir, il commence déjà à faire son petit sac. Il est à fond sur ça. Si je vois que comme je vois l'allure, c'est là. Mais je vais le laisser dans ça. Moi, quoi. Si c'est sa passion et qu'il s'en sort dedans, il doit seulement faire ça bien. Mais entre-temps, il ne doit pas laisser les études. Oui, il y a des médecins qui sont aussi footballeurs. Il y a des footballeurs qui sont médecins. Il y a des footballeurs qui sont ingénieurs. Ils ont d'abord été à l'école sur quelque chose. Parce que c'est mauvais que quand l'enfant laisse tout pour mettre la tête sur un seul truc. La carrière du foot, c'est comme on dit ça comment? C'est comme l'armée en Europe. Parfois, on va vite à la retraite. Après, on ne sait plus quoi faire.
faut vraiment savoir comment est-ce que tu vas orienter l'enfant. Et c'est le travail aussi du parent. Donc, ce n'est pas parce que l'enfant de ta soeur, d'autres, quand les enfants voyageaient, j'avais une tante qui disait toujours que j'ai aussi entendu que telle a, tu as entendu que l'autre aussi voyageait. Et qui est? L'autre encore voyageait. Oh, Nicole, ma fille est là. Ce n'est pas ma fille que je l'ai accouchée, mais c'est ma soeur. Hein? Quand je vous parle, vous croyez que la vie, c'est la concurrence. Très. Très. Quand nous, on était au pays, quand les filles voyageaient, maman, c'est ta tante qui dit que... Tu connais la fille qui venait souvent ici et tout. Elle n'était même pas belle comme toi. Maman, les filles font comment? Maman, les filles ont la chance ici dehors. Oh. Quelqu'un te parle indirectement, te pointe du doigt indirectement. Eh. Papa Zamba, son blanc, est venu l'épouser, elle est partie en Europe. Ah, la petite fille là que... On tape, je dis, on te parle mal devant toi indirectement. Nous voici donc en France. C'est pas le premier arrivant en Europe qui réussit. C'est pas le premier à obtenir le baccalauréat qui réussit. C'est pas la première à se marier qui réussit dans son mariage. C'est pas la première à faire des enfants qui est la meilleure maman du monde. Chacun a son jour. N'écoutez pas les gens. Nicole, c'est ma fille, si je peux dire ça comme ça. Elle sait qui je suis parce que elle sait, elle me connaît depuis le Cameroun. Où j'ai grandi, où je travaillais, comment est-ce que j'étais. Une personne que j'ai dit, tu vas faire comme ça, comme ça, comme ça. Elle m'écoute, elle est la meilleure. J'en ai comme ça au moins trois. Au Cameroun, ou quatre qui ont les cliniques. Elle a toute une clinique. Hein. Je te prends comme ça, je te dis, tu as le potentiel. Qu'est-ce que tu fais là? Tu gagnes combien? Ok, et tu fais ça comment? Est-ce que tu peux commencer à mettre des côtés? Est-ce que tu peux faire ça comme ça? Est-ce que tu peux faire comme ça? Tu deviens patron de toi-même. Quand on vous dit, venez dans les conseils et les coachings, vous venez. Aujourd'hui, propriétaire. Et je lui ai dit, elle n'est même pas la seule. Hein. Je lui ai dit, tu as quelques années, tu vas ouvrir une autre clinique. Et je parle souvent comme ça, comme la blague. Dès que je vois ton potentiel, je te pistonne un peu comme ça. Tac, 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 tac. Vous allez me dire que toi-même, tu as quoi? Vous ne me connaissez pas. C'est tout. C'est tout. On ne dit pas tout sur les réseaux sociaux. Vous savez pourquoi? Parce que c'est comme ça. On vous montre juste le chemin et ça avance. Moi, je parle juste parce que c'est Nicole Ngumingumbali, un de ces sorciers qui te guettent souvent. Les gens sont là, tant pis, j'ai trahi. Hein. C'est pas n'importe qui. C'est une façon de sensibiliser aussi. C'est une façon de sensibiliser. Je ne vous donne pas le poisson. Elle m'a connu au Cameroun avant que je ne voyage. Elle m'a vu. Je travaillais, j'étais commerçante en même temps. Ça, c'est les personnes, Nicole, s'il allait dans son inbox se demander, tu connais la fille ici où? Tout ce qu'elle va vous dire ne manque pas. Voilà les gens qui m'ont connu au Cameroun. Elles sont parfois ici sur ma page, nombreuses comme ça. Ma meilleure amie, quand on était petite, elle vient toujours prendre les conseils sur moi. Elle me dit, Suzy, tu étais toujours quand tu me dis un truc. Je ne vais pas vous dire son nom parce qu'elle est réservée. Vous voyez un peu. Il y a des gens qui sont nés avec. Ne me vante pas. Mais si je t'oriente, tu écoutes ce que je te dis, même si ce n'est pas à 100%. Si je t'oriente, Blaise, mon ami, il est là. Il ne peut plus parce que Blaise, c'est qui? Blaise ne m'a pas écouté. Au jour d'aujourd'hui, Blaise ne commente plus. Blaise envoie juste les cœurs en cachette. C'est quand je tombe sur mon téléphone que je vois que Blaise a envoyé les cœurs. Parce que je lui ai parlé. Il ne m'a pas écouté. Et il a lu l'heure. Au jour d'aujourd'hui, il a peur même de venir commenter ici. Tu n'es pas mon ennemi, Blaise, tu es mon ami. Tout le monde n'écoute pas. J'ai un ami, je vous ai parlé de mon meilleur ami, Alima. L'année dernière, elle est venue pleurer ici, non? Quand le gars voulait aller se fiancer au Cameroun, je lui ai dit, laisse l'angassi. Cherche une femme ici. Il ne m'a pas écouté, il a disparu, il ne me parlait plus.
Comment tu dis que je suis une petite sorcière? Ma cousine directe, directe même. Oh, c'est mon grand frère qui m'appelle. Allô? Bon. Ah non, c'est une Nigérienne. T'inquiète pas, une Ouganda Nigérienne. Bibara. Oui, ça va. Bambamos. Non, il commente souvent ici, non. Il affiche sa fiche, pourquoi? Il commente souvent ici, manga joli. Il commente souvent, c'est mon ami, c'est un grand frère. C'est quelqu'un que je respecte énormément. C'est juste qu'il a fait un petit quelque chose, mais je le comprends. Bon, c'est les choses de la vie, en fait. Donc, bref, ça ne nous concerne pas. C'est ça, voilà quoi. Vous voyez un peu. Je vous ai raconté l'histoire de ma cousine, non. Elle est venue habiter chez moi quand j'étais encore au Cameroun. Elle me disait, je n'accouche pas, je n'accouche pas. Elle avait même quel âge? 25 ans, 26 ans. Vous savez qu'au Cameroun, dès que tu dépasses, il y a 22 ans, là, tu n'as pas accouché. On commence à te regarder un Jacques et Bibougalère et tout. Elle disait toujours ça, je n'accouche pas, je n'accouche pas. Je lui ai dit, tu vas accoucher. Laisse-moi l'histoire que je n'ai. Je n'arrive pas à tomber enceinte avec mon gars, elle n'arrive pas à tomber, elle dit que tu vas accoucher. Je dis, tu es comme une sorcière, pardon, laisse-moi un peu. Tu parles souvent comme ça, comme si c'était, elle dit que tu vas accoucher et tu vas me porter la grossesse des jumeaux. Elle a eu la grossesse des jumeaux. Après, elle a fait une fausse couche. Elle commence à pleurer dans les maisons. Elle dit que toutes les femmes accouchent, tu ne peux pas être stérile. Dieu t'a quand même montré que tu peux accoucher, non. Elle me dit, oui, dit que ne pleure pas, alors tu vas accoucher. Elle est tombée enceinte. Elle a accouché. Je lui ai dit, tu vas, ton enfant va naître le même jour que je suis née. Comme la blague est, sa fille est née le 16 mai. Elle m'appelle la petite sorcière. Quand Suzy, elle dit toujours que quand Suzy parle, vous croyez que c'est la blague, c'est une petite sorcière. Elle m'appelle qui, vous? Je n'ai pas les vous. Je n'ai pas la sorcellerie. C'est qu'elle parle souvent comme la blague. Ce que toi, tu vois aujourd'hui, tu vas voir dans 2 ans. Moi, je vois déjà ça aujourd'hui. Je suis comme ça. Je parle comme ça, comme la blague. Et voilà quoi. Donc, ne faites pas la concurrence avec les gens. La vie, ce n'est pas la concurrence. Nicole, tu te rappelles en vanne, non? Nicole, tu te rappelles en vanne? Tu te rappelles? Je pouvais même imaginer la période là que j'allais voyager. Nicole. Pas du tout. Voilà. Quand je vous parle, prenez ça comme ça en l'air, en l'air. Celui qui veut écouter, écoute. Nous évoluons ensemble, non? Je vous ai dit, nous allons évoluer ensemble. Nos enfants vont obtenir le baccalauréat ensemble. Nos enfants iront à l'université ensemble. Maintenant, ils sont encore à l'école primaire. Ceux qui ont les enfants qui ont pris l'avance, allons seulement. Nous allons évoluer ensemble. Nous aurons les rides ensemble. Nous aurons le gros ventre ensemble. Nous aurons la ménopause ensemble. Nous allons vieillir ensemble par la grâce de Dieu. Vous allez souvent rester comme ça de cela 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. La fille s'y parlait comme ça. Mais elle parlait comme ça, comme la blague. Et c'est souvent comme ça. On m'appelle toujours par derrière. Ceux qui ont le courage, mais Suzy, tu parlais comme la blague. D'autres qui viennent souvent dire merci. Je reçois les merci. Ce n'est pas moi, c'est la nature. Je suis juste là pour ouvrir les yeux. Il y a des gens qui somnolent. Ça, c'est ma soeur. Une fille très dynamique. Dans un premier temps, très dynamique. Un temps, elle a tout abandonné. Elle n'avait plus espoir. Elle ne voulait rien faire. Elle dit, me voit. Je lui dis que quoi? Elle me dit, je travaille à tel endroit. Je dis que quoi? Toi, jamais de la vie, je ne veux pas entendre ça. Tu vas repousser les manches, tu vas faire comme ça, comme ça, comme ça. Elle a disparu, elle est partie. Même pas 3 mois, elle est revenue. Tu as commencé, elle me dit non, je dis, tu vas commencer. Tu vas sauf que commencer. Elle a commencé. Suzy, c'est un peu dur, mais Suzy, après un jour, elle m'appelle. Ça commence à aller, ça va, hein? Ça me fait plaisir. Vous ne pouvez même pas imaginer le plaisir que j'ai. Je n'aime pas voir quelqu'un pleurer en face de moi. Je préfère, si je prends 5 euros, je te donne. J'ai des gens que je donne le fonds de commerce. Que va faire? Vous voyez un peu? On aura des petits-enfants ensemble, c'est vrai. Je peux te donner 5 euros. Que va faire le commerce? Mais si je ne te donne pas le conseil qui va avec, tu vas arriver là-bas, tu vas manger ton argent. Ne venez pas souvent me demander l'argent. Ce n'est pas question de 5 euros, 10 euros. Je peux te donner. C'est une façon de parler. Mais si je t'oriente, si je te tiens par la main, je te dis, fais comme ça, je t'assure que tu le fais. Je le fais avec un bon fond.
Je ne le fais pas pour... Et je ne frustre pas les gens. Je ne parle jamais argent avec les gens. Je ne parle pas argent avec toi. Parce que je sais que c'est des conversations qui vont... Ça va me donner mal à la tête. Je parle business affaires. Je t'oriente selon ce que tu fais. Selon dans quelles circonstances tu vis. Selon la ville, le pays où tu es. Dès que je commence à t'orienter, toi-même tu verras. Des gens, il y a des gens ici qui ont le potentiel, mais ils ne savent pas qu'ils ont le potentiel. Il y a une qui est venue me voir aussi, j'ai les enfants, je n'arrive pas à m'en sortir. Lui dit, moi, j'ai les enfants, non. Pourquoi vous êtes souvent comme ça? Moi-même, j'ai les enfants. Bref, ce n'est pas pour vous dire que j'ai lu vous. Je vous dis, ne copiez pas. Croyez en vous. Ne courez pas. La vie, ce n'est pas la course. Chacun a son jour de réussite. Juste repousse les manches. Crois à ton potentiel. Je vous ai dit. Moi, j'aurais 5 euros à vie. Amen. Je vous ai déjà dit, croyez en vous. Crois à ton potentiel. Fais juste le bien autour de toi. Ricole, tu te rappelles tout ce que je t'avais donné comme que fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. J'ai une comme ça en Belgique qui est aussi venue pleurer. Dans ma... Je n'accouche pas, je n'arrive pas à faire les enfants. Quand maman, tu vas acheter. Je dis toujours une phrase. Toutes les femmes vont accoucher. Je lui ai dit, fais comme ça, comme ça, comme ça. L'angle est partie. Même pas 2 ans, c'était où c'est 18 mois. Ou c'est 16 mois. Elle est tombée enceinte. Tous les jours, la fille, s'il met son ventre, elle m'envoyait. Je lui ai dit, tu sais quoi? Je ne t'ai rien donné. Je t'ai juste motivé. Ne fais pas ça. Tu as l'impression, parce que c'est ce que je... Ne fais pas confiance aux gens. Même si je te motive, tu tombes enceinte, ne m'envoie. Si tu connais mon fond, quelqu'un peut faire comme moi. C'est-à-dire que la personne va te motiver. Et tu lui fais confiance. Pourtant, la personne, au fond, allez-vous. Je lui dis, ne m'envoie plus les photos de ton ventre. Ça me plaît. Tu es fière, non? Tu es contente? Tu es fière de toi? Tu es heureuse? Elle m'a dit, oui. Je dis, ne m'envoie plus les photos de ton ventre. Elle me dit, pourquoi? Je dis, tu es une fille bien? Dit, oui. Il y a aussi les gens qui peuvent poser les actes comme moi. Peut-être qu'ils ne sont pas bien. Ne le fais plus. Elle m'a dit, j'ai compris. L'angle enchaîné aujourd'hui, elle a 4 enfants. Elle a enchaîné les accouchements comme ça. Je dis que tu as vu la maternité aujourd'hui, non? Voilà. C'est Dieu qui donne. Ce n'est pas moi. Je t'oriente juste. Je te dis, la foi, la foi, la foi. Quand j'étais au Cameroun, je pouvais imaginer que j'allais avoir le visa pour venir en Europe. Quand je suis arrivée en Europe, je pouvais imaginer que j'allais même vite avoir les papiers. Quand j'ai eu les papiers, je pouvais vite imaginer que j'allais vite avoir le travail. Quand j'ai eu le travail, vous savez, le plus dur en Europe, c'est d'avoir une maison. J'habitais dans un petit studio comme ça, chambre, salon, petit truc, dans le 10e arrondissement à Paris. Dans Paris, je suis toujours dans Paris. Pourquoi je quitte là-bas pour avoir en privé la foi? La foi. La foi. La Bible dit la foi surélève les montagnes. Tous les jours, si vous avez une personne qui vous dit les choses naturellement, simplement, vous faites tout ce que vous pouvez faire, vous envoyez les têtes de monde. Vous détestez. Mais vous. Pourquoi vous faites les vous? Hein? On vous dit les choses simplement. On vous demande l'argent ici de payer le bali-bali. Que non, payez. Payez d'abord pour que... Bien, j'ai déjà mis le litchi ici un jour. Que donnez-moi l'argent. C'est pas parce que je suis riche et que je n'ai pas bien parce que je n'ai pas faim. Moi, j'ai mes problèmes. J'ai les problèmes d'argent. Si je n'avais pas les problèmes d'argent, est-ce que j'allais vendre ma gamme de produits cosmétiques? Je vais aller acheter au... Je vais me faire la recette. La gamme de produits cosmétiques, c'est Chico plus 33, 6, 56, 81, 43, 32. Certaines personnes vont prendre ça comme la prétention et tout ce qui va avec. C'est juste que je ne vante pas tout. C'est juste que... C'est peut-être le jour de ma mort que vous allez entendre que la fille m'a aidé dans cela. Les gens vont peut-être... Donc la fille s'y était même bien. C'est le jour de ma mort que les gens sauront que la fille s'y était bien. Je vous assure. Quand de ton vivant, on te combat juste. De ton vivant, on te combat juste. On te combat. Et il y a les filles que j'ai connues quand on était un peu plus jeunes, des petites rivalités, on faisait les petites bagailles. Il y a une qui est venue me voir. Poser ses problèmes de couple. Je m'en vais, je quitte. Elle m'a dit que maman, tu quittes plus où? Tu as les enfants juste pour une histoire de... Hein? Une histoire de couple simple. Elle est restée comme ça. Elle m'a dit, merci vraiment, ma soeur. Vraiment, tout le monde me disait de partir. Que tu pars où?
Tu as fait un enfant avant le mariage. Tu as déjà fait 4 enfants dans le mariage. Et tu veux, parce que ton mari ne s'entend pas avec ton fils, tu veux quitter le mariage. Qui va aller prendre soin de tes 5 enfants dehors? Quand ils ne s'entendent pas, c'est pour ça que vous voyez souvent, certaines mamans, quand elles allaient en mariage et donnaient l'enfant soit à la soeur, mais l'enfant soit à l'internat, pour un cadre où il n'y aura pas les problèmes entre les deux. Voilà. Et l'enfant à l'âge de la puberté. L'enfant, voilà. Tu ne vas pas bousiller une vie pour un enfant. Tu ne vas pas aussi mettre l'enfant mal à l'aise. Trouve, c'est maintenant le moment de trouver la solution. Voyez, Mbwanasu, Ngoua Tilama, écris-moi plus 33-651-43-32. Plus 33-656-81-43-32. Tu connais, non? Mbwanasu, tu m'écris sur WhatsApp. Je t'envoie le Mbwanasu. Voyez un peu, non? Donc, c'est un peu ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. La vie est simple. Comme bonjour, mais il y a aussi l'huile d'escargot. Je dis que l'huile d'escargot, c'est avec ça alors que je fais les massages du visage avec. Je vais vous montrer le mode d'emploi. Et l'huile d'escargot, ceux qui utilisent la crème du visage, vous pouvez mettre 2 gouttes quand vous y mettez sur le visage. 2 gouttes, j'ai demandé au laboratoire parce qu'il m'avait dit que ne mélangez pas. Vous savez que moi je suis noire. Non, viens, j'étais sur WhatsApp, mais je t'envoie mon RIB, tu payes par virement ou par IA ou MoneyGram. Bempo, ya yuaimoué. Bempo, est-ce que ça me laisse? Donc, tu peux prendre petite quantité de crème du visage et tu prends 1 goutte ou 2 gouttes de la baffe d'escargot, tu appliques sur le visage, tu masses bien ton visage. Je vais vous montrer comment on fait, tous les jours je dis ça, mais j'oublie. Comment on fait? Tu masses bien le visage. Après, tu as un visage lumineux, propre, bien soigné. Vous voyez un peu, non? Voilà. Hey! Mes cheveux, tiens, il y a le chignon. Oh, maman! On me parlait mal ici tous les jours. Oh, parce que quand ma tête peut déjà faire le chignon, je sais que d'office, je n'ai pas pris au salon de coiffure, j'étais mon argent. Déjà, je n'ai pas. Donc, aller dépenser l'argent, comme ça, la nuit, et dis moi-même mon chignon. Je mets ma postiche et j'ai les postiches. J'ai les postiches. À partir de 35 euros, vous avez une postiche. Pardon, 35 euros, vous avez une postiche. Mais c'est la taille 16. Venez acheter les postiches. C'est les postiches, ce ne sont pas mes propres postiches. Ce sont les postiches de ma fille. C'est ma fille qui m'a envoyé les postiches là. Elle est même ici en France. Elle m'a envoyé les postiches. Donc, pardon, venez commander les postiches, sont à 35 euros. C'est naturel, hein? Mais ce n'est pas le long, long. Hein? Parce que ça, c'est soit taille 24, je ne me rappelle même plus. C'est le naturel. Vous voyez un peu, non? Il y a les ondulés, il y a les lisses. 35 euros. Je liquide même. La personne qui veut même le fonds de commerce en postiche, je vois avec elle. Parce que la petite là, elle a acheté plein de postiches, elle m'a envoyé. Il faut que je liquide ça, pardon. Vous voyez un peu, non? Les maillots du Cameroun. One All Sport. Je vends ça. 75 euros, ce n'est plus à 90 euros. C'est la qualité, oh. La qualité. La Coupe d'Afrique arrive. Venez commander. La gamme de produits cosmétiques, c'est toujours là. À partir de 100 euros, vous avez 3 produits. 170 euros, vous avez 5 produits. Regardez les stories. Il y a les robes et tout ce qui va avec. Ceux qui veulent les coatings et les conseils, plus 33, 656, 81, 43, 32. Mes conseils passent à 250 euros. Parce que quand j'étais à 100 euros, 150 euros, il y avait trop de monde. On doit oublier, il faut que je me concentre. Quand je prends une personne, c'est de A à Z. Je ne laisse pas les gens en route. Voyez un peu, non. Il y a ça aussi que dès que tu dis que ton problème, c'est là, va faire un peu de prière, tu reviens, la personne disparaît. Si tu ne supportes pas la prière, que toi-même tu sens que ta vie est un genre, ne viens pas. Ne viens pas. Il y a ma commune Kakarna là, parce qu'il y a les gens ici qui ne supportent pas la prière du tout, du tout. Tout ce que je parle là-haut, comme je suis en train de parler là, la foi s'accompagne avec la prière. Si tu ne pries pas, même la foi même va faire un genre. Tu vas douter de certaines choses. Même quand elle parle, même tu vas dire que celle-ci raconte quoi. Mais si tu as la foi et que tu pries, ce que je dis va se réaliser. Ce n'est même pas moi, c'est toi-même. Comprenez un peu, non? Merci beaucoup aux personnes qui m'ont envoyé les étoiles. Mais je n'ai pas vu la personne qui m'a envoyé les étoiles. Je vois juste les étoiles. Je n'ai pas vu la personne. Ce n'est pas Blaise qui m'a envoyé les étoiles. Bref.
C'est la personne qui m'a envoyé les étoiles qui envoie les cœurs. Blaise, je vais te choper. Blaise, si c'est toi. C'est mon ami Blaise. C'est Blaise qui m'envoie souvent les étoiles. Donc, je vous ai tout dit. Si vous avez une ou deux questions, je réponds. Une ou deux questions, je réponds. Je vous laisse 2 minutes. Vous voyez, vous ne partagez pas le direct. Le direct comme ça. Le direct comme ça, vous ne partagez pas. Si j'étais en train de clasher la vie, maman, venez voir Suze, elle clash déjà. Ils vont alors mettre, ils vont même créer des pages. 20 partages, vous avez vu. Pourquoi je viendrai donc souvent m'asseoir pour vous parler? Je vais plus faire les lives. Aujourd'hui, c'est mardi. Peut-être je vais refaire un autre vendredi. Ça sert à rien de faire les lives. Vous avez vu? Vous-même, vous ne partagez pas. Vous n'allez pas quand même me dire que... Oh, même 10 partages par personne. Vous-même, vous ne partagez pas. Vous allez voir les lives des insultes. On va voir le résultat des insultes dans 10 ans. C'est tout. Le résultat des insultes dans 10 ans. Partagez. Vous ne partagez pas. Vous voulez que je commence à faire quoi? Dites-moi un peu. À vous raconter les bobards. Pour que ma page est restreinte, mais vous aussi, vous ne contribuez pas. Vous ne partagez pas, vous ne faites pas la partagation. Partagez, même dit partage par personne. Avant de partir, dit partage par personne. Alors, moi, je fais la pub pour avoir une belle peau, une peau propre. Commandez la gamme de produits cosmétiques Suze Chic. Au plus 33 6 56 81 43 32. La gamme de produits cosmétiques Suze Chic est faite à base du collagène, de l'aloe vera, la vitamine C, la vitamine E, la vitamine A. La gamme de produits cosmétiques Suze Chic ne décape pas la peau, ça nettoie la peau en profondeur. Ça vous enlève toutes les imperfections. La date, l'acné, les taches, les végétules, tout ce que vous avez comme imperfection sur la peau. Ça estompe les rides parce qu'il y a assez de collagène. Dans la gamme de produits cosmétiques Suze Chic, nous avons 5 produits, c'est-à-dire le lait de corps, 45 €. La crème du visage qui coûte 35 €. Le gel douche 500 ml qui coûte 30 €. L'huile qui est faite à base de la baffe d'escargot qui coûte 40 €. Vous pouvez faire des massages avec. Et le savon ultra gommant qui coûte 20 €. Ça sent super, hyper bon. Mes produits, c'est du satisfait ou remboursé. Ici, on ne ment pas. Déjà, je ne suis pas une menteuse. Si j'étais une menteuse, c'est que les gens sont venus ici en courant. Que, oh, on me dit, oh, tellement brûlé la peau, tellement brûlé. Quand on utilise mes produits, on a les résultats. Si vous voulez devenir métis, ce n'est pas ma gamme de produits. Mais je pense que je suis en train de réfléchir. Je vais voir avec vous. Je vais mettre un post. Est-ce que j'ai envie de faire une gamme éclaircissante? Est-ce que je peux le faire? Éclaircie, même je pense que éclaircie, c'est des femmes d'un certain âge. Vous voyez un peu les gammes vraiment éclaircissantes. Pas l'ondiansan, hein. Bon, c'est un peu l'ondiansan parce que ça va vraiment vous éclaircir. Mais ça ne va pas vous brûler la peau, ça ne va pas faire comme les gammes qui ont l'hydroquinone. Est-ce que je peux faire ces gammes-là? Parce qu'il y a de certaines mamans qui me demandent les gammes pour éclaircir la peau. Est-ce que ça va marcher? Je sais que ça va beaucoup marcher. Mais au niveau de l'image de la femme africaine, je me demande, je me pose des questions. Vous voyez un peu, non? Voilà. En tant que... Est-ce que j'ai le droit de faire des choses comme ça? Vous savez qu'il y a des choses que je ne fais pas. Les jeux de... On appelle ça comment? Les jeux là. Les jeux de hasard là. Je ne suis pas moi là. Les bali-bali, les jeux de... Il faut donner l'argent, là, je ne suis pas là-dedans. Il y a certaines pubs que je ne fais pas. Je ne prends pas. Ce n'est pas parce que je suis riche. Hein. Par rapport, voilà, quoi. Je pense que les jeunes ont quand même confiance en moi. Voilà. S'ils viennent souvent, parfois, je suis médiatrice de certains parents. Oui. Quand ils ont des difficultés avec leurs enfants,
voilà, ils essayent un peu de me mettre en contact avec un enfant qui est un peu difficile. J'essaie de parler avec, surtout les enfants à l'âge de la puberté et tout. Vous voyez un peu, et si, en plus, je suis ambassadrice, vous voyez un peu. Et tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux est connu. C'est ici, sur les réseaux sociaux, qui m'ont connu pour être ambassadrice de l'association où je suis. Et ils m'ont payé. Ce n'est pas quelque chose qu'ils m'ont pris gratuitement, que j'ai dit, je suis allée faire le bénévolat. J'ai été payée pour ça. Donc, il y a des choses que je n'ai vraiment pas le droit de faire. Je ne vais pas vous mentir. Et même en tant que personnel soignant, je ne peux pas faire un truc dont je vais encore bien me renseigner. Si je peux vraiment sortir une gamme comme ça, mais ça ne se fait pas en France. On m'a dit que ça se faisait au Vietnam. Donc, je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir pour ça. Mais c'est pour certaines, il y a certaines mamans là que, voilà, qu'elles veulent devenir, bon, pour clair plus. Vraiment clair plus, c'est pas décapage, comme vous voyez souvent avec les quinto là, mais clair, que le produit tu mets, ça t'éclaircit. Parce que ça, ça clarifie. Hein? Ce que je veux sortir là, ça éclaircit. Je suis en train de réfléchir. Hein, manga joli, Wayenia, tu vois comment? Tu vois l'affaire là, comment? Est-ce que ça va aller? Est-ce qu'il faut laisser? Est-ce que je ne veux pas voir les jeunes filles dans ça? Parce que vous savez aussi que, pour, voilà, éclaircir la peau, c'est les femmes d'à partir de 50 ans, hein? On dit même qu'éclaircir un peu la peau. Je dis bien un peu, pas les 50% à 2, 5, 10%. C'est pour les femmes bien solides, là. À partir de 50 ans, c'est pas pour les jeunes filles. Vous voyez un peu. Ou bien je me trompe, je parle seul. Les gens s'y sont partis où? Hé, il est 18h. 18h30. Les enfants sortent à 19h. Donc, je vous aime bien. Je vous apprécie. Prenez soin de vous. Restez partagés du direct. Envoyez-le partout. Je sais que mes directs se regardent. Mes directs se regardent en couple. Mes directs se regardent en famille. Mes directs se regardent parce qu'après, chaque direct, on m'envoie les messages, on m'écrit, on m'appelle, on me félicite, on apprécie. Quand je fais aussi mal, on m'envoie aussi les messages. Je suis heureux, Ben, comment tu as fait ça comme ça et tout et tout et tout. Donc, nous sommes à la semaine 5 et le dernier tournant, maman. Donc, je vous reviens peut-être demain, peut-être après-demain. Peut-être vendredi, peut-être demain, on ne sait jamais. Donc, je vous aime bien. Prenez soin de vous. Et on se dit à bientôt. Bisous.